La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 1549 à l'article 8. Monsieur le rapporteur. Oui, amendement rédactionnel. Ah oui. Monsieur le ministre. Favorable, madame la présidente. Je vais mettre aux voix avec un avis favorable de monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Madame Thomas, le 1295. Oui, il y a peine de... Si on peut avoir le micro, merci. Allez-y, madame Thomas. Merci, madame la présidente, c'est mieux. En matière d'exécution de la loi, nous sommes favorables à l'idée de détailler le rapport remis au Parlement dans l'exécution de la loi de programmation militaire. Nous souhaitons préciser que la question des stocks est fondamentale. C'est un enjeu stratégique étant donné le contexte et que les Français sont aussi attachés à ces enjeux souverains en matière de production de défense. Nous proposons donc que cette LPM mentionne un bilan clair d'exactions conduites sur ce volet concernant les stocks et approvisionnement. Merci, madame la députée. Avis de la commission. Merci, madame la présidente. Demande de retrait, car il y a déjà des rapports. On a eu d'ailleurs un très bon rapport du député Vincent Bru et Julien Roncoul sur le sujet. Et voilà, donc, semble pas utile. Monsieur le ministre. Même avis, madame la présidente. Merci. Vous le maintenez ? Oui. Je vais mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 537, madame Colombier. Oui, merci madame la présidente, monsieur le ministre. Nous pensons qu'il est important d'insister sur la nécessité pour la représentation nationale d'avoir connaissance, d'avoir un état des lieux, des besoins humains de notre BITD. Les carences en ouvriers qualifiés constituent une problématique majeure soulevée par les industriels lors des discussions que nous avons eues, entre autres dans le groupe travail économie de guerre et équipement des forces auquel j'ai participé. Nous ne pouvons pas en faire l'impasse et il serait donc sage que le Parlement ait connaissance des chiffres exacts des tensions dans ces secteurs d'emploi, ainsi que des moyens pris par le gouvernement en concertation avec ces entreprises et à leur bénéfice pour faciliter la formation et le recrutement d'ouvriers qualifiés notamment. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Un sujet RH sur la BITD qu'on a déjà évoqué par ailleurs. Je pense que sur cet alinéa, ça alourdirait les choses si on met trop de choses. Donc je vous demanderai un retrait ou avis défavorable. Monsieur le ministre. Même avis, madame la présidente. Merci. Vous le retirez ? Très bien. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 380, monsieur Jacobelli. Merci, madame la présidente. Vous imaginez bien évidemment qu'à l'alinéa 9, nous sommes heureux d'apprendre que nous ferons un point sur les coopérations européennes. On en a déjà beaucoup parlé ici. Mais je vais vous lire la rédaction du point en question. Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière. C'est un peu vague. Et dans la même mesure que monsieur le rapporteur, il y a deux amendements souhaitaient être un peu plus précis. Nous souhaiterions ajouter que le rapport traitera de l'exécution de ces coopérations. Parce qu'on va se demander légitimement où en sont-elles, rencontrent-elles des difficultés, y a-t-il des retards ou même des avances, allez savoir. Le programme est-il encore viable ou est-il une réussite ? Bref, il faut que ce soit précis et détaillé, que ce ne soit pas simplement un vœu pieux très général. Je rappelle les termes, les grandes orientations de la politique. Il faut que ce soit quelque chose d'un peu plus concret. C'est l'objet de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, l'alinéa 9 prévoit donc, comme vous le dites, vous le disiez, un bilan des coopérations européennes. Mais forcément, quand on fait un bilan, on fait le bilan de ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, sur quoi on aura du mal à faire le bilan. Donc, de fait, c'est satisfait. Donc, je vous demande un retrait. Merci, monsieur le ministre. Même avis, madame la présidente. Merci. Je vais mettre au voix avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 126, monsieur Taverne.
Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Donc, comme le précise le rapport annexé, la France ne doit pas s'interdire d'avoir des coopérations militaires industrielles avec des pays non seulement de l'Union européenne, mais hors Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de substituer le mot « européenne » avec le mot « international ». Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député. En fait, on a ces coopérations qui existent, donc de telles coopérations, on est bien obligé de les évoquer. Donc, demande un retrait. Merci, Monsieur le ministre. Défavorable. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 77, Monsieur Zissenstuhl. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, comme nous le savons, l'industrie de défense, ce sont 2000 entreprises, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quand on évoque les montants que nous allons voter dans le cadre de cette LPM, la question que nous posent parfois nos concitoyens, c'est à quoi sert tout cet argent ? À quoi sert ces centaines de milliards d'euros ? Alors, bien entendu, ça sert à équiper nos forces armées, et c'est l'objectif principal et le plus important. Mais une partie de cet argent irrigue également l'économie nationale et nos régions. Je propose donc par cet amendement que nous puissions préciser dans le rapport de quelle manière les retombées de cette LPM dans l'économie française impactent positivement nos territoires et de présenter cela par région administrative. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député. Je comprends très bien le sens de cet amendement, car il est important aussi de faire prendre conscience à nos concitoyens ce que ça représente, la loi de programmation militaire et l'investissement dans la défense, parce que effectivement, ça irrigue nos territoires, aussi bien sous plan financier, mais aussi sur le nombre d'emplois dans les différents bassins de vie. J'ai eu la même réflexion, la même démarche que vous lors de mon dernier mandat, et je me suis rapproché en fait du ministère des Armées et de la DGA, et avec une grande facilité, finalement, j'ai eu les chiffres que je souhaitais. Donc, je pense que ça peut être satisfait si vous prenez la même méthode. Donc, je demanderai un retrait ou avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je pense qu'en fait, il est en partie satisfait. La réalité, c'est que désormais aussi, il faut que le ministère des Armées se comporte comme un grand ministère territorial. J'ai essayé de le faire à l'aune de la programmation militaire pour aussi montrer les dynamiques territoriales. Je les avais moi-même subies dans le passé, comme maire de Vernon et président du département, plutôt à la baisse, figurez-vous, avec un certain nombre de fermetures, jadis. Et c'est là où, devenant ministre des Armées, j'ai quand même pris conscience que dès lors que les budgets auraient augmenté, c'était bon aussi de traduire les dynamiques territoriales. Alors, on ne fait pas une loi de programmation militaire, vous l'avez dit vous-même, et merci de l'avoir fait, pour aménager le territoire. Enfin, quand les nouvelles sont bonnes pour la sécurité de la nation et qu'elles peuvent être bonnes en plus pour un territoire tout entier, soit pour la présence militaire, soit pour la commande publique militaire, les infrastructures par exemple, soit évidemment pour le volet plus ressources humaines, plan famille, réserve, et évidemment c'est l'objet de votre amendement sur un Alsacien peut en cacher un autre, hop, pardonnez-moi, pour évidemment les retombées en matière de BITD, ça va évidemment dans le bon sens, et si vous voulez fondre ma pensée, ça participe aussi à l'acceptabilité sociétale des dépenses militaires qui parfois à coups de milliards peuvent paraître un peu lointaines, et quand on les reterritorialise à l'aune d'une PME, à l'aune d'une filiale d'une grande entreprise française, ça devient de la souveraineté palpable et de proximité. Alors, satisfait, je pense que l'écrire dans cette partie de l'article normatif ralourdit un peu les choses. En plus, faut-il le faire une fois par an ? Faut-il le faire par point d'étape ? Je pense que le travail inédit qui a été fait par la DGA et les services du ministère pour déjà dire ce que peut donner la programmation sur un territoire comme le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin, pour prendre l'ensemble. Non mais il y a beaucoup d'Alsaciens, donc je fais attention à ce que je dis dans l'hémicycle. Ça a déjà du sens. Ce qu'il faut, c'est peut-être régulièrement, mais sur la simple saisine d'une lettre ou d'une question écrite d'un parlementaire au ministre des Armées, faire un point d'étape sur les implications que cela peut avoir par territoire ou par bassin d'emploi. C'est peut-être plus compliqué, en tout cas par territoire, par département, ça a du sens. Donc, demande de retrait si vous en êtes d'accord. Je le vois comme un amendement d'appel à faire en sorte que les grandes dépenses militaires de la nation trouvent aussi un écho territorial. Je pense que ça va dans le bon sens. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Zitzenstuhl, vous le maintenez ou vous le retirez ?
Madame la Présidente, je vais suivre le conseil avisé du rapporteur. Je me rapprocherai de mon ami le ministre Sébastien Lecornu et donc je retire cet amendement. Merci. Il est retiré. Le 1766, Madame Klinkert. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Face aux multiples menaces pour la sécurité en Europe, le moteur franco-allemand revêt une grande importance pour le rapprochement des points de vue dans la politique de sécurité et de défense. D'ailleurs, plusieurs initiatives mixtes, telles que la brigade franco-allemande créée en 1989 et puis plus récemment la base aérienne 105 d'Evreux, sont l'expression visible et opérationnelle de cette coopération. Le Parlement y prend aussi toute sa part, puisque vous savez que nos commissions défense de l'Assemblée nationale et du Bundestag travaillent ensemble, et elles le feront encore ce jeudi, à Évreux, justement, et que l'Assemblée parlementaire franco-allemande vient de décider la création d'un groupe de travail sur la politique étrangère et la défense. Nous répondons ainsi à la volonté affirmée dans le traité d'Aix-la-Chapelle. L'amendement à l'alinéa 10 que je vous propose permettrait d'établir un suivi annuel des projets franco-allemands en matière de défense. Merci, Madame la Présidente de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Madame la députée, merci pour votre amendement que je pense aussi être un amendement d'appel qui me fait d'autant plus plaisir parce que souvent on parle de l'Allemagne, parfois c'est décrié aussi notre partenariat par certains. Pour moi qui est petit-fils de malgré nous, et vous savez ce que ça veut dire, pour moi le rapport avec l'Allemagne a beaucoup de sens avec cette histoire commune entre nos deux pays qui n'a pas toujours été facile mais qui est une grande histoire. Toutefois, on a plein de coopérations et si on commençait par lister tout et rentrer dans le détail, ça serait un peu compliqué. Donc, en tant que rapporteur, en tout cas, je vous remercie pour votre amendement qui nous appelle à réflexion. Mais dans le cadre de cette loi de programmation militaire, je pense qu'il aurait difficilement sa place ou ça compliquerait les choses parce qu'il faudrait l'ouvrir à toutes nos coopérations, dont je vous demanderai un retrait. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente. Merci, Madame la Ministre, pour votre amendement d'appel. Vous connaissez votre engagement sur le sujet et local en Alsace et national dans vos fonctions ministérielles précédemment et dans vos fonctions parlementaires. Alors, de fait, si on commence à citer quelques exemples, on finit toujours par en exclure d'autres, y compris parce que nous avons des Outre-mer et qu'on a parfois des coopérations questions régionales. Alors, faut-il les comparer? Je ne sais pas. Mais il est vrai que dans cette partie, on n'est plus dans le rapport annexé, on est dans les articles normatifs. Si on commence à citer quelques exemples, on risque d'en exclure et donc évidemment la rédaction telle qu'elle vous est proposée a à la fois le sens de la sobriété mais en même temps les englobe, un bilan des actions liées au partenariat et aux alliances stratégiques. Si on renvoie en revanche à ce qu'on a pu écrire sur les coopérations européennes dans le rapport annexé qu'on a étudié la semaine dernière, vous y retrouvez. Voilà. C'est d'ailleurs bien ce que certains vous reprochent par ailleurs, c'est qu'on s'y retrouve. Donc, pour le coup, demande de retrait. Et de fait, si on devait prendre l'amendement, il aurait fallu peut-être aller jusqu'à l'état-major européen. Vous avez l'Agence d'innovation de défense européenne, vous avez l'OCAR. Enfin, d'où ma recommandation de ne pas alourdir la rédaction, sans quoi, évidemment, on oubliera forcément des choses et on peut faire des mécontents. Donc, demande de retrait, Madame la Ministre. Merci. Vous le retirez ou le maintenez? Oui, Madame la Présidente, je vais le retirer, tout en soulignant, malgré tout, l'importance du symbolisme de la coopération militaire entre la France et l'Allemagne. Merci. Donc, le 1766 est retiré. 1239, Monsieur Le Fur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Je vais vous manifester une inquiétude, Monsieur le Ministre, mais je ne demande qu'à être rassuré. Cette inquiétude est exprimée en particulier dans la marine, semble-t-il, pour ce qui est des programmes de frégates et de patrouilleurs. Si, c'est le 237. Non, mais le 1239, vous n'êtes pas co-signataire. Alors, si, c'est Monsieur Thierriot. C'est notre orateur en chef qui va s'exprimer. Exactement. Notre shadow ministre. Oui,
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais essayer d'être le moins shadow possible dans mes propos. Il s'agit d'un amendement du Président Marleix et du groupe concernant la demande de présentation d'un bilan de l'aide à l'Ukraine, en précisant deux évidences. La première, c'est que, évidemment, notre groupe soutient totalement l'engagement au service de l'Ukraine et du combat de l'Ukraine pour la liberté, et également que l'avantage d'un bilan global comme celui-là, c'est que ça permet de respecter les impératifs de sécurité et notamment évidemment le respect du secret défense. Ça n'impose pas d'aller dans les détails, mais ça permet de donner une évaluation d'ensemble. Merci, monsieur le rapporteur, avis de la commission. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, merci de rappeler notre soutien à l'agression russe. Notre soutien à l'Ukraine, à l'agression russe. pour votre amendement, de façon plus spécifique, en ce moment même, il y a une mission flash sur l'Ukraine faite par nos collègues Royer, Perrault et Nejlen, ici présents, qui va nous apporter déjà beaucoup de choses. Par ailleurs, on a les auditions aussi à la Commission de la Défense. Il y a moyen aussi de demander d'autres missions. Il y a le rapport aussi sur les aides en armement, enfin, différents trucs. Donc, je vous demanderai un retrait ou avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Avis du gouvernement. Merci beaucoup, madame la présidente. Alors, sur cet amendement, bon, déjà, il faut qu'on s'arrête sur une méthode. C'est que si d'un côté, on est très attaché à sortir l'aide à l'Ukraine de la loi de programmation militaire, faut-il y faire référence pour une loi de programme qui ira de 24 à 30? Je n'ai pas la réponse à la question que je pose, mais par transparence et rhétorique, je pose la question. Deux, comme l'a dit notre rapporteur, votre rapporteur, il va y avoir des moments spécifiques sur l'aide à l'Ukraine. J'ai déjà été évidemment soumis au contrôle parlementaire dans le cadre de la commission de la défense nationale ici. Ça m'est arrivé au Sénat d'ailleurs dans deux formats, retransmis comme à huis clos. Le Sénat a adopté les deux formules. Je crois que le président Gassiou aussi se posait la question en fonction des circonstances d'alterner les formats pour ce faire. Trois, dans le cas de la DPR, qui est un autre sujet, mais enfin, il est évident qu'on a traité de l'aide de l'Ukraine dans le cadre du contrôle lié à la DPR. Et puis bientôt, je ne relance pas le débat sur, évidemment, la commission mixte affaires étrangères, affaires économiques et défense nationale sur les exportations d'armes, mais il va sans dire que le rapport qu'on vous proposera et l'audition que nous tiendrons devant vous au mois de juillet, comme il s'agit des licences d'exportation de l'année 2022, il va sans dire que vous allez avoir un chapitre important et l'aide à l'Ukraine. 4. Alors, l'amendement est signé de monsieur le président Marleix. Moi, j'ai toujours indiqué à tous les présidents de groupe que j'étais disponible en tête-à-tête pour répondre à des questions qui seraient spécifiques, considérant que l'aide à l'Ukraine avait aussi sa part, non pas de secret, mais de discrétion. Et quand j'avais reçu le président Marleix, il ne m'avait pas parlé de ce sujet. Mais évidemment, je suis à sa disposition s'il le souhaite. Donc, demande de retrait ou défavorable. Merci, monsieur le ministre. Vous le maintenez, monsieur Thiriot ? Ne s'agissant pas d'un amendement dont je suis titulaire, je maintiens. Merci. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 237, monsieur Le Fur. Alors donc, je recommence. Je vais manifester une petite inquiétude, monsieur le ministre, mais une fois de plus, je ne demande qu'à être rassuré. Ça concerne les frégates et les patrouilleurs. La crainte d'un certain nombre de marins, c'est que ce type de programme ne soit non pas oublié, mais peut-être retardé. Est-ce que vous pourriez nous rassurer là-dessus ? Ça compte non seulement pour la marine, mais également pour les chantiers navals et les bassins d'emploi concernés par la construction de ces bateaux. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Pour vous rassurer, mon cher collègue breton, sur les frégates et les patrouilleurs, il n'y a pas de sujet, tout a été dit et tout est lancé. Par ailleurs, pour tout ce qui est report ou décalage, tout ça figurera de toute façon dans le rapport de l'article 9 qui portera sur les ajustements annuels. Donc, pas d'inquiétude, demande de retrait. Merci, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente. Alors, on pourrait le rajouter ici,
Mais de fait, on va faire une redite avec l'article 9 que vous allez examiner dans un instant, où il est évident que le rapport que le gouvernement va rendre aux assemblées parlementaires sur l'exécution de la LPM, pardonnez-moi cette expression, mais le plat principal sera évidemment capacitaire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est plus facile en plus à constater et à documenter. Alors, faut-il rajouter un alinéa dans cet article qui en compte déjà 12 de fait, votre amendement ne nuit pas et il n'est pas à contresens de ce qui vient ensuite. Il serait une redite, donc plutôt enclin, par cohérence avec ce que j'ai pu dire pour d'autres groupes politiques, à une demande de retrait pour éviter d'alourdir. Après, s'il devait être adopté, monsieur le député Le Fur, il serait une redite de ce qui va venir ensuite. Merci, monsieur Le Fur, vous le maintenez ou... J'entends que le propos est positif. J'entends que c'est une question simplement de place dans l'ensemble du texte. Donc, au vu de ces arguments, je retire mon amendement, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Le Fur. Le 381, Monsieur Jacobelli. Madame la Présidente, alors c'est un amendement qui pour nous est très important. On l'avait vu avec le co-rapporteur sur le bilan de la LPM précédente. C'est vrai que Sentinel pèse sur nos soldats. Souvent, certains se sont engagés pour, par exemple, conduire un char et pas pour surveiller ce qui se passe, gare de l'Est, par exemple. En revanche, évidemment, la menace terroriste existe toujours et nous sommes heureux de savoir que l'opération Sentinel existe aujourd'hui. Et donc, pour éviter les légendes, on a entendu que Sentinelle ne servirait à rien sur les bancs, sur certains bancs de cette Assemblée. Et pour avoir des éléments précis pour décider de l'avenir, où placer le curseur sur cette opération Sentinelle, nous proposons après l'alinéa 11 de rajouter un huitième point, un bilan de l'opération Sentinelle comprenant son impact sur la protection contre les menaces terroristes et ses conséquences sur la fidélisation des militaires. Ça nous paraît être un amendement de bon sens qui correspond à beaucoup des discussions qu'on a eues dans cet hémicycle et un des besoins que nous avions identifiés sur la précédente ou l'actuelle LPM. Merci. Avis de la Commission. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le député. Permettez-moi quand même commencer mon propos par souligner quand même deux points sur l'opération Sentinelle. Premièrement, le sentiment des Français, quand ils voient nos militaires aussi autour des infrastructures ou lors des festivals ou d'autres événements, on voit vraiment un attachement des Français autour de nos militaires, une chose tout de même positive parce que souvent on aborde Sentinelle sur un point négatif. Et pour avoir échangé aussi avec beaucoup de militaires, un sentiment aussi, qu'il peut y avoir, vous avez entendu du négatif, mais moi j'entends aussi du positif car beaucoup aussi sont heureux aussi de se retrouver au contact de la population et de remplir cette mission qui est une noble mission. Alors pour être précis et revenir plutôt à votre amendement, l'article 4 du projet de loi prévoit déjà un rapport annuel sur les OPEX et les missions intérieures et l'opération Sentinelle sera donc abordée dans ce cadre-là. Donc je vous demanderai un retrait ou un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors j'y vois encore, Monsieur Jacobelli, un amendement, une forme d'amendement d'appel parce que je serai en tout cas un mauvais ministre si je laissais passer un amendement qui dit qu'on regarde au fond une mission opérationnelle et l'effet, les conséquences sur la fidélisation des militaires. C'est comme si j'interrogeais les effets sur la fidélisation de la dissuasion nucléaire. Enfin, je veux dire, non, mais j'en fais exprès, mais je pense que c'est important. On a le droit de se poser la question dans l'hémicycle. On a le droit, et vous avez bien le droit, vous avez tous les droits qu'un parlementaire peut avoir, et c'est important, mais d'interroger en disant quels sont les impacts, commencer à sous-entendre dans la partie normative de la loi de programmation militaire qu'il y a un lien entre la fidélisation et une mission bien donnée. Enfin, si la sécurisation du pays l'exige, le statut militaire doit y pourvoir. Je pense que, pour le coup, j'aime plus l'ordre que vous encore, voyez-vous. Et ça, je crois que c'est quand même important de le dire. Quand on est militaire, on ne choisit pas sa mission. Ou alors, le sens même du statut militaire ne veut plus rien dire. Et je pense qu'on peut lever la séance et ne pas poursuivre les débats. Donc ça, je pense que c'est important. Après, qu'il y ait un impact, il est sûrement contrasté en fonction des personnes que l'on croise. Dans une autre vie où les militaires que je pouvais interroger avaient une plus grande liberté de parole, j'ai le sentiment aussi que cette activité avait du sens. C'est peut-être moins vrai chez les officiers et dans les cadres intermédiaires. En tout cas, pour cette référence à la fidélisation, je pense que c'est un avis défavorable.
Après, je pose une question ouverte à l'ensemble des sensibilités politiques ici représentées à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans le document annuel qui est fourni au Parlement sur les missions intérieures et les opérations extérieures, est-ce que ce document vous paraît satisfaisant et suffisant en matière d'éclairage et d'impact sur toutes les missions qui sont menées? Moi, je suis prêt à recueillir vos différentes remarques sans modifier la loi et peut-être changer le format du rapport et le rendre beaucoup plus intelligible, beaucoup plus riche, y compris, pourquoi pas, je le redis une fois de plus, avec une audition spécifique. Vous auditionnez souvent les chefs d'état-major et les chefs d'état-major des armées. C'est aussi l'occasion de leur poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Merci, Monsieur Jacobelli. Vous le maintenez? Oui. Maintenu. Alors je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Giletti, le 466. Merci Madame la Présidente. Bon, puisque le huitième ne sera pas sur le huitième ne sera pas sur l'opération Sentinelle, ce sera sur la lutte anti-drones, je l'espère bien. Vous savez, l'extrême rapidité avec laquelle se développe la menace des drones sur les différents théâtres d'opération doit indéniablement nous alerter sur l'importance et la nécessité de disposer de solutions matérielles appropriées. La lutte anti-drone doit, ce titre, figurer parmi nos priorités. Or, ces solutions matérielles doivent pouvoir être pilotées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit là encore d'un secteur manquant cruellement d'effectifs. Dans les domaines civils comme militaires, le développement des drones est inéluctable tant les gains opérationnels sont conséquents. Mais ce développement doit être accompagné à bien des égards, dans la réglementation, permis, vente, zone autorisée, dans le contrôle et la coordination des vols dans l'espace aérien, ou encore concernant les moyens de lutte et de neutralisation. Tout cela ne pourra se faire sans une masse conséquente de personnel formé, spécialisé et disponible, surtout à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques. Ainsi, il est impératif que le gouvernement s'engage à donner des garanties au Parlement quant à sa volonté de remédier à ce manque d'effectifs et ainsi ne pas louper le train comme ce fut le cas sur les drones. Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, je prends ça comme un amendement d'appel du rapporteur et l'expression du travail sérieux et déterminé du rapporteur du budget armée de l'air. Non, ça, c'est un sujet important, effectivement, hein, la lutte anti-drones, les drones, mais c'est trop spécifique pour être dans le cadre de la loi de programmation militaire, donc je vous demanderai un retrait ou avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Oui, merci, madame la présidente. Non, objectivement, je pense que la prise en main de la lutte anti-drone par les forces armées est bonne. Le retard était capacitaire, on en a suffisamment discuté. Oui, mais je pense l'avoir suffisamment dit, et j'essaie d'être le plus lucide. Là, l'objet de votre amendement, c'est les objectifs de montée en puissance de ressources humaines dans le domaine de la lutte anti-drone. Objectivement, elle est plus que satisfaisante. Enfin, globalement, l'armée de l'air et de l'espace... ou l'armée de terre. Alors, la marine a aussi ses fonctions sur des choses bien spécifiques, on le sait, on n'y revient pas. Enfin, la résilience, la prise en main, les modules de formation interne, tout ce que j'ai pu constater moi-même sur le terrain, y compris d'ailleurs pour les forces de gendarmerie qui sont affectées à la DGA ou à la marine nationale, par exemple la gendarmerie maritime de l'Île-Longue. Bref, toutes les forces qui ont été dotées d'équipements de lutte anti-drone, globalement, les formations se passent bien. Donc, de mon point de vue, c'est satisfait, puisque je ne vois pas de problème particulier. Donc, je ne sais pas si vous en avez été saisi par ailleurs. Merci. Monsieur Giletti, vous le maintenez ou pas? Oui, je vais le mettre au voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Monsieur Lachaud, le 521, et Monsieur Saint-Toul, le 804. Merci, Madame la Présidente. Je vais présenter le 804 et si vous m'y autorisez le 805 pour aller un petit peu plus vite. Il s'agit de deux amendements qui précisent que le bilan annuel présenté au Parlement comportera un bilan d'exécution à la fois sur les opérations extérieures et aussi sur les missions intérieures. Il recouvre en fait ce genre des préoccupations que nous avons déjà émises au fil des débats, donc je ne vais pas m'apesantir. Merci, monsieur le rapporteur, avis de la commission sur ces deux amendements. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, oui, préoccupations que vous avez déjà exprimées, des débats que l'on a déjà eus. Effectivement, il est prévu à l'article 4 qu'apparaisse ce bilan, donc avis, demande de retrait. Merci, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, madame, messieurs les députés, il me semble déjà satisfait, notamment par ce document qui est produit chaque année. Après, une fois de plus, s'il faut l'améliorer, je suis à la disposition des parlementaires pour entendre vos remarques et contributions. Force est de constater qu'on a quand même souvent un succès d'estime parce qu'on n'est pas assailli par les accuses de réception et par les questions en retour.
Donc, Fabius, le ministère est résilient, les équipes sont prêtes à produire beaucoup de papiers, beaucoup d'écrits, à faire beaucoup de transparence. J'espère que ça trouvera son public, en tout cas. Donc, demande de retrait, sauf, une fois plus, hors loi, je le dis, je viens de le dire à l'instant, si les représentants des différentes sensibilités politiques à la Commission de la Défense estiment que le document n'est pas satisfaisant, je me tends à recueillir les demandes d'amélioration et de le faire par ailleurs, mais ça me semble satisfait. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, ces deux séries d'amendements, donc le 521 et 522 et l'identique, sont retirés. Je vous indique que sur l'article numéro 8, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement 564, Monsieur Giletti. Merci Madame la Présidente. Bon, rapidement, c'est une demande sur le calendrier pour le passage entre le Rafale vers le standard F5. J'ai cru comprendre qu'en commission, d'autres députés en face de nous y étaient aussi favorables. Donc je réitère cette demande d'un calendrier prévisionnel pour donner plus de visibilité à l'armée de l'air et de l'espace. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député et Monsieur le rapporteur du budget de l'armée de l'air. Vous avez pris connaissance de l'amendement du gouvernement, donc je suis sûr que vous allez suivre tout ça attentivement, donc je vous demanderai un retrait. Merci Monsieur le ministre. Oui, même avis, Madame la Présidente. Je pense que l'amendement gouvernemental au rapport annexé la semaine dernière correspondait à l'attente que vous aviez exprimée en commission à sa juste place. Donc désormais, il n'y a plus qu'à. Demande de retrait. Merci. Monsieur Giletti, vous le maintenez ? Alors, il est retiré. Le 983, qui le défend ? Madame Saint-Paul, Madame Genté. Monsieur Ardouin. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Cet amendement vise à ajouter un bilan des actions liées à la politique mémorielle et au monde associatif combattant au sein du rapport annuel de la programmation militaire remis par le gouvernement aux commissions permanentes chargées de la défense du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le lien armée-nation est au cœur de la politique de défense. Par la sensibilisation de la nation aux questions militaires, par les vocations qu'il fait naître et par le souvenir patriotique qu'il renouvelle sans cesse. Intégrer ces éléments dans le rapport annuel de la LPM permettrait de faire des points d'étape dans une période où la société a besoin de réinvestir les sujets liés à la mémoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, merci Monsieur le député pour cet amendement et votre investissement autour de la cause des anciens combattants. Mes chers collègues, je vous invite à écouter Monsieur le rapporteur. Oui, parce qu'il y a un peu de brouhaha et donc on ne vous entend pas très bien. Donc seul Monsieur le rapporteur a la parole. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député pour votre amendement et j'étais en train de dire que mais je sais connais votre investissement aussi dans le milieu des anciens combattants et donc je ne suis pas étonné de votre amendement d'appel aussi qui nous sensibilise à cette cause. Bien entendu, il faut suivre tout ça de très près et je pense que le projet de loi de finances sera aussi peut-être le moment de rentrer dans la précision dans ces débats et puis aussi à travers nos travaux en commission de la défense peut-être repartir sur un examen plus approfondi à travers une mission d'information ou des auditions, aussi une série d'auditions si monsieur le président de la commission de la défense, mais j'en suis sûr, le veut bien avec le bureau de la commission bien entendu. Donc demande de... Merci madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, monsieur le ministre, monsieur le député Ardouin. Simplement vous dire que l'intention est bonne et je sais que vous avez un regard particulier sur les anciens combattants et sur le volet mémoriel, mais ce n'est pas dans la mission défense. Le P-169 n'est pas dans la LPM. Donc je vais vous demander de le retirer et ne soyez pas soucieux, nous pouvons travailler par des missions ou des auditions à la commission de la défense. Merci. Monsieur Ardouin, vous le maintenez ? Je vous remercie pour ces éléments de réponse et évidemment, je le retire. Merci. Il est retiré. Le 1057, monsieur... Oui, monsieur Jaboul, vous êtes signataire. Monsieur Monnet, merci, oui. Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à présenter une liste non exhaustive de sujets que le rapport annuel sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire pourrait aborder. Il s'agit de sujets qui intéressent les territoires ultramarins et pour lesquels les données sont encore
lacunaires, tels que la stratégie Indo-Pacifique, la reconversion professionnelle des militaires originaires des territoires ultramarins ou les opérations de dépollution relatives aux déchets nucléaires français. Merci Monsieur Monnet. Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, satisfait à travers le rapport annuel qui pourrait comporter des développements spécifiques en la matière. Donc demande de retrait ou défavorable. Merci Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, 4 propositions dans un même amendement. Le bilan d'exécution de l'année passée de la programmation militaire pour les territoires ultramarins, elle est de fait satisfaite sur le volet capacitaire. Il suffit de regarder les RAP de chaque année et vous l'avez. Si on va au-delà, j'y serais plutôt défavorable parce que ça tend à détacher les politiques de sécurité globale de la nation en les coupant entre l'outre-mer d'un côté et l'hexagone de l'autre. Je pense que ce n'est pas l'objet de ce que je souhaite faire. De le développement de la stratégie Indo-Pacifique, pour le coup c'est très global, c'est évidemment la mission du ministère des Affaires étrangères, de l'Europe des Affaires étrangères, et non pas celle de la programmation militaire ou du ministère des Armées. L'impact des dispositifs de reconversion professionnelle pour les militaires origine du territoire ultramarin, votre collègue le député Le Gaïc m'en a parlé par ailleurs, je pense qu'on peut faire un focus par territoire, communiquer aux parlementaires des territoires concernés sans le mettre dans la loi en tant que tel. Et l'évolution des opérations de dépollution relatives aux déchets nucléaires. J'ai fait une très longue réponse à votre collègue la semaine dernière sur le sujet. Il était là, donc voilà. Donc demande de retrait ou défavorable. Merci. Monsieur Monnet, vous le maintenez? Oui. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1444, Madame la... Alors, qui le défend? Monsieur Bayou. Merci, Madame la Présidente. On en a beaucoup parlé la semaine précédente. C'est au sujet, évidemment, de la défense européenne, une vieille idée qui pouvait paraître utopique et qui est aujourd'hui nécessité et en passe de devenir réalité, évidemment avec le retour de la guerre sur le continent. Et donc, dans l'esprit des discussions qui nous ont occupés la semaine dernière, on vous propose d'avoir un bilan régulier sur les avancées concrètes en matière de renforcement de l'Europe de la défense. Monsieur Bayou, monsieur le rapporteur. Si, Madame la Présidente, monsieur le député, les alinéas sur les partenariats ainsi que sur les coopérations industrielles permettent déjà de couvrir les enjeux liés à l'Europe de la défense, donc je vous demanderai un retrait ou avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le député Bayou, même remarque que pour la même question posée avec un mobile différent sur les autres bancs, c'est déjà satisfait par ailleurs, donc demande de retrait ou défavorable. Merci, je vais mettre aux voix cet amendement 1444 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Gonzalez, le 1472. Merci, Madame la Présidente. Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur, honorables collègues, cet amendement est une demande de rapport sur les actions de l'Agence Innovation Défense, un rapport qui comprendrait également des pistes d'amélioration de cette structure. En effet, mise en place le 1er septembre 2018, l'Agence Innovation Défense coordonne les initiatives d'innovation du ministère et en assure l'aboutissement. Tout en poursuivant les travaux relatifs à l'innovation technologique sur le temps long et répondant aux besoins actuels, l'agence s'érige en capteur de nouvelles innovations au bénéfice de tous les utilisateurs, quel que soit leur domaine. Conduite des opérations, équipement, soutien, fonctionnement et administration. L'innovation de défense a bénéficié d'une LPM 2019-2025 ambitieuse, avec 270 milliards annuels supplémentaires pour atteindre 1 milliard de crédits de paiement dès 2022. Cet investissement a pu permettre de renforcer la préparation des programmes et de développer la recherche, la captation de l'innovation provenant du domaine civil et l'innovation de rupture. Si cette LPM entend continuer les efforts en matière d'innovation, il serait dès lors pertinent d'obtenir davantage de renseignements sur les bénéfices concrets de cette structure et les pistes d'efforts sur lesquelles se concentrer dans un esprit de cohérence et de transparence des moyens alloués. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Monsieur le député, j'imagine que vous avez lu les documents annexés au projet de loi de finances annuelle et le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, DROID, le document DROID, qu'on appelle DROID, qui est fait tous les ans par l'Agence d'innovation de la défense. Il est vraiment très complet et je pense qu'il peut vous apporter tout ce que vous avez besoin. Donc, avis défavorable, car satisfait. Merci, monsieur le ministre.
Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gonzès, je pense que ça est satisfait par l'amendement que nous avons fait voter par cette Assemblée la semaine dernière dans le rapport annexé, qui est venu pratiquement rallonger d'une page entière sur le volet innovation. Et donc, par définition, vous y retrouverez l'objet de votre amendement, demande de retrait ou défavorable. Merci. Vous le maintenez, Monsieur Gonzès? Oui, je vais le mettre au voie avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Gonzalez, le 1747. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement entend demander la présentation d'un rapport relatif à la reconversion professionnelle des militaires et anciens militaires établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. Comme vous le savez, la situation des militaires ultramarins est très particulière, et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit des collectivités du Pacifique. En effet, ces territoires, en particulier la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, présentent un ratio d'engagés dans nos armées parmi les plus importants du territoire national. Les militaires et anciens militaires établis dans les collectivités du Pacifique bénéficient à ce titre de dispositifs de reconversion professionnelle prévus pour tout militaire. Ils peuvent donc bénéficier d'emplois réservés leur permettant d'occuper un emploi à l'issue de leur engagement dans les armées. Or, si les militaires du Pacifique y sont techniquement éligibles, ce n'est pas le cas dans la pratique, tant le nombre d'emplois réservés est faible. Ils se retrouvent donc sur le marché de l'emploi après des années d'engagement au service de la France, sans aucun accompagnement. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, je pense que vous pourrez trouver satisfaction tout simplement à travers Défense Mobilité à l'échelle locale, étant donné que c'est une population assez réduite aussi. Ils doivent avoir les statistiques et puis le suivi spécifique de chacun. Je pense que ça peut être satisfait de cette façon, donc je vous demanderai un retrait. Oui, Madame la Présidente, l'alinéa 8 du présent article vous donne par ailleurs satisfaction, Monsieur le député, donc avis défavorable. Merci. Vous le maintenez, Monsieur Gonzalez? Oui, je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1773, Monsieur Gonzalez. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement s'inscrit dans les demandes de rapport. Le Conseil d'État observe que si les mesures envisagées par la nouvelle loi de programmation militaire contribueront, certes, à augmenter les effectifs de la réserve opérationnelle militaire, elles ne suffiront pas pour autant à réaliser l'objectif affiché d'un doublement d'ici 2030 pour atteindre 80 000 hommes, puis 105 000 hommes à l'horizon 2035. Considérant que l'étude d'impact devrait faire mieux apparaître la part d'augmentation liée à ces seules mesures et préciser les autres mesures qui permettront d'atteindre cet objectif ambitieux, le rapport ainsi proposé permettrait, dans un souci de transparence, d'entrer dans le détail des mesures prises au sein de la présente loi vis-à-vis des effectifs de la réserve opérationnelle militaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gonzalez. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, l'article 8 prévoit déjà dans son alinéa 8 qu'un bilan sur les objectifs concernant les effectifs de la réserve devrait être remis au Parlement chaque année. Donc, votre amendement est satisfait. Je vous demanderai un retrait. Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, ne croyez pas que c'est de la mauvaise volonté, Monsieur le député, mais c'est véritablement satisfait. Enfin, je vous donne la lecture de l'alinéa 8. Un bilan d'exécution des objectifs concernant les effectifs et les réserves. Vous ne pouvez pas plus satisfait, donc véritablement demande de retrait, sans quoi vous auriez deux fois le même alinéa dans le même article. Merci, Monsieur Gonzalez. Vous le maintenez, vous le retirez? Je le retire, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Les amendements pouvaient être soumis à une discussion commune avec tout d'abord des amendements identiques, le 523, Monsieur Lachaud, ou le 806, Monsieur Saint-Toul. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'amendements qui précisent que ce rapport fait l'objet d'un débat. La rédaction initiale précise qu'il peut faire l'objet d'un débat. En leur lisant, je me suis avisé qu'ils étaient grammaticalement incorrects, donc ils sont retirés et ils bénéficieront les amendements de nos collègues Di Filippo et Thomas bénéficieront donc de notre soutien. Merci. Le 114, Monsieur Di Filippo. Défendu. Et Madame Thomas, le 1296. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit ici d'un amendement rédactionnel pour engager le débat au Parlement.
Notre groupe souhaite valoriser le contrôle parlementaire à travers cet amendement en proposant un dialogue constructif autour du rapport d'exécution en fonction de l'évolution des menaces. Le débat systématique avec la représentation nationale est incontournable pour assurer le bon suivi de la LPM, l'occasion de mieux prévoir, mieux anticiper selon les exigences du contexte. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais mettre... Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements en discussion. Merci, Madame la Présidente. Si on l'inscrit tel que vous le dites, c'est la loi qui va imposer quelque chose au Parlement. Moi, je trouvais que le peut laisser la place au Parlement tel qu'il se doit. Donc, j'ai un doute, donc je dirais sagesse. Merci, Monsieur le ministre. Même avis, Madame la Présidente, sagesse. Sagesse. Alors, je vais mettre donc le 523 et 806, les deux sont retirés dramatiquement au profit des 114 et 1296 qui sont identiques, avec un avis de sagesse du rapporteur et de Monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Le 151, Monsieur Negelen ou Monsieur Panifous. Merci, Madame la Présidente. C'est l'amendement de mon collègue Christophe Negelen. Au vu des enjeux évidents de cette loi de programmation militaire, cet amendement propose de ne pas restreindre la possibilité de débat annuel sur l'exécution de la loi de programmation militaire à la seule commission de la Défense et des Forces armées, mais de laisser la possibilité de que ce débat soit réalisé également en séance. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Me semble que c'est satisfait, donc avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, comme je l'avais indiqué en début de discussion il y a maintenant 10 jours, enfin une semaine, sur ces amendements qui tiennent au fonctionnement de l'Assemblée parlementaire, j'exprimerai un avis de sagesse au sens strict du terme, c'est-à-dire je considère que le gouvernement n'a pas à émettre un avis sur le mode de fonctionnement du Parlement. Merci, je vais le mettre aux voix avec un avis de sagesse de Monsieur le rapporteur et de sagesse de Monsieur le ministre. Non. Alors, défavorable de Monsieur le rapporteur et sagesse de Monsieur le ministre. Voilà. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 78, Monsieur Zissenstuhl. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, on a bien vu depuis maintenant quasiment une semaine, 10 jours même, que nous discutons de cette loi de programmation militaire, que l'Europe s'est imposée comme un des sujets sur lequel il y a beaucoup de débats, il n'y a pas forcément d'accord, mais en tout cas il y a un débat politique assez nourri et c'est très bien et il est fort probable que ce débat se poursuivra au cours des prochaines années. Ça tombe bien puisque à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des commissions qui existent maintenant depuis une quinzaine d'années pour traiter des sujets européens, les deux commissions des affaires européennes, et donc je propose de rajouter au texte de loi que l'examen du rapport aura lieu, bien sûr, d'abord dans les commissions chargées de la défense et également dans les deux commissions chargées des affaires européennes. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis de la commission. Avis défavorable, Madame la Présidente. Défavorable. Je suis désolée, on ne vous entend pas. Défavorable. Sagesse pour les mêmes raisons qu'exprimées précédemment. Merci, Monsieur le ministre. Je vais mettre cet amendement qui a reçu un avis, aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur et de sagesse de Monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 8 qui fait l'objet d'un scrutin public que j'ai annoncé tout à l'heure dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 166, exprimés 164, majorité 83 pour 164, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, nous passons maintenant à l'article 9 avec des inscrits à l'article. Monsieur Bellamiti, pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'article 9 engage le gouvernement à remettre au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur les enjeux et les évolutions de la programmation budgétaire de la mission Défense.
Avec une échéance au 15 juillet, le ministre des Armées présentera donc aux commissions concernées les objectifs de mise à jour annuelle de la programmation militaire. Cet article est cohérent avec les articles 7 et 8 que nous venons de voter et qui fixent respectivement les modalités... Je vous invite à écouter l'orateur. Une très bonne remarque, Madame la Présidente. Il y a beaucoup de bruit. Et je pense que ce serait intéressant que l'orateur puisse s'exprimer dans un hémicycle beaucoup plus calme. Merci. Merci, Madame la Présidente. Donc cet article est cohérent avec les 7 et 8 que nous venons de voter, qui fixent respectivement les modalités d'actualisation et de communication d'exécution passée de la programmation militaire. Cette LPM renforce donc considérablement les prérogatives et l'association du Parlement en matière de contrôle budgétaire du ministère des Armées. C'est donc à l'occasion des débats de la loi de finances que nous serons, chers collègues, amenés à nous prononcer sur les ajustements nécessaires à l'adéquation des crédits avec les besoins opérationnels. Le rapporteur pour avis d'un des principaux programmes budgétaires de la mission Défense que je suis ne peut donc que se réjouir d'une telle disposition. Et évidemment, le groupe Renaissance soutiendra cet article. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bellamiti. La parole est à Monsieur Saint-Toul. Merci, Madame la Présidente. Cet article est manifestement un cas de fausse bonne idée. Vous nous avez expliqué, Monsieur le Ministre, qu'il fallait une revoyure unique et suffisamment éloignée du vote initial pour que la programmation puisse se déployer. Et nous en sommes d'accord. Nous avons tous communié dans la conviction qu'il fallait de la visibilité et il fallait donner du temps aux industriels, aux armées, pour engager la transformation, selon l'expression ou le mot que vous affectionnez. Et tombe cet article 9 qui nous explique que chaque année, le gouvernement transmet un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire. Ce qui signifie donc que, en toute discrétion et sous couvert d'informations du Parlement, vous euthanasiez discrètement l'idée même de programmation budgétaire. C'est donc un problème fondamental qui ne peut pas connaître en soi d'amendement, raison pour laquelle nous n'avons pas amendé cet article, mais que nous ne pouvons pas voter. Merci, Monsieur Larsonneur, pour le groupe Horizon. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur. Bien au contraire du collègue Saint-Toul, je rappelle toute l'importance du contrôle parlementaire, et ce rapport en est une des illustrations, des manifestations. Et c'est aussi un moyen utile, je pense, et ça a été rappelé à de nombreuses reprises dans la soirée, de concilier temps long, programme de long terme, c'est effectivement le fond de cette programmation militaire, et temps court, ajustement à un contexte stratégique, nécessité de s'adapter en permanence à un contexte qui évolue. Donc un rapport qui va dans le bon sens, qui a fait l'objet aussi dans la méthode d'une discussion avec l'ensemble des groupes parlementaires, notamment en commission, et je tiens à saluer le ministre de son cabinet pour cette façon de procéder. Le groupe Horizon a particulièrement apprécié la façon dont cet amendement a été rédigé. Cet article a trouvé une rédaction finale satisfaisante, donc nous le soutiendrons évidemment. Merci. Je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole sur l'article. Je vous indique que sur cet article 9, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Alors, quelques amendements à cet article. 1551, monsieur le rapporteur, rédactionnel. Monsieur le rapporteur, rédactionnel, le 1551. Rédactionnel. Merci, Monsieur le Ministre. Avis du gouvernement. Favorable. Merci. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable de Monsieur le Ministre, qui est pour. Qui est contre ? Il est adopté. Le 1555 rédactionnel également ? Rédactionnel. Monsieur le ministre, avis du gouvernement ? Favorable. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 1558 rédactionnel également ? Rédactionnel. Favorable. Oui, non, effectivement, il n'est pas tout à fait complètement... Complètement rédactionnel, mais le gouvernement y est favorable. Il n'est pas que rédactionnel, mais le gouvernement y est favorable. Donc je vais le mettre aux voix avec un amendement du rapport. Oui, Monsieur Saint-Toul. Merci, Madame la Présidente. Je vois que vous avez décidé de filer sur cet article. Il n'y a pas de matière à discussion, d'après vous. Mais attendez, je réagis. Tout à l'heure, vous vous êtes autorisé, Monsieur le Ministre, de réagir à l'article. Vous nous avez habitués à argumenter. Allez-y, relevez le gant, expliquez-nous
que, en l'occurrence, il ne s'agit pas tranquillement de renoncer à l'idée d'une programmation. C'est écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'amendement du rapporteur qui reformule, mais qui entérine cette idée que la programmation est élastique. Vous nous l'avez dit d'une certaine façon. Vous nous avez expliqué, oh, mais vous savez, ce sont des planchers. Ce sont des planchers. Précisément, si vous considérez que ce sont des planchers, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre que vous vous donnez, mais qui ne permet pas d'anticiper. Dans le meilleur cas, on aura une bonne surprise. Et ce serait cohérent avec les propos que nous avons eus déjà et avec la discussion que nous avons eue sur l'affectation des ressources extra-budgétaires, puisque précisément, vous avez été en peine et vous n'êtes toujours pas en mesure de nous montrer à quoi vous allez affecter ces 13 milliards de ressources qui se promènent, qui sont des ressources extra-budgétaires et que vous n'avez pas affectées dans le tableau au début de ce texte de loi. Donc il y a quelque part des crédits que vous vous réservez peut-être comme une poire pour la soif, j'ai eu cette expression, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que vous vous donnez la possibilité de ne pas respecter une programmation budgétaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, Monsieur le député Saint-Toul, vous excellez en rhétorique jusqu'au moment où le disque se raye et on repart quand même pour un tour. Il n'y a pas d'affectation budgétaire possible, y compris sur les 13 milliards, pour lesquels l'expression besoin est de 413 milliards, pour la 577e fois. Je pense que je l'aurais dit une fois par député. Les ressources extra-budgétaires sont dans la copie en ressources. Je pense l'avoir suffisamment détaillé nuitamment dans la nuit de vendredi à samedi. Et pour autant, le besoin documenté, les fameux contrats opérationnels qui n'ont reçu aucun amendement, le tableau capacitaire qui en a reçu beaucoup, bref, l'expression est là. Premier point. Les mêmes questions appellent les mêmes réponses, ce qui vous satisfera, vous qui aimez la rhétorique et sa cohérence. Deux, ces articles, c'est là où je vous trouve opposant, rigide, souriant ce soir, mais pas toujours de bonne foi, monsieur le député, ce n'est plus votre anniversaire, c'est que ces articles sont une des réponses qu'on a voulu apporter aux critiques assez légitimes, d'ailleurs, que vous avez formalisées pendant la discussion budgétaire. En disant, mais attendez, vous avez la discussion budgétaire d'un côté, avec sa présentation lolfique, qui ne donne pas un aperçu tous azimuts, même si, objectivement, quand on lit les raps, on arrive quand même à avoir beaucoup de réponses aux questions que parfois on me pose, alors qu'en fait, il suffit de regarder dans le dossier, ça y est, mais c'est un autre débat. Et qu'au moins avec ce débat, on fait la jonction entre la loi de programmation militaire publiée, ses objectifs opérationnels, ses objectifs capacitaires, ses objectifs en matière de ressources humaines, au hasard en matière d'innovation, pour reprendre un terme qui vous est cher, et en trait d'union avant même l'automne budgétaire, avant l'été, vous avez une traduction plus politique, qui est un peu aussi ce que vous avez tous exprimé sur l'ensemble des bancs, qui permet de dire, au regard de la programmation, au regard des aléas technologiques, industriels, au regard de la situation géostratégique, voici comment se prépare la mise en application et la mise en exécution annuelle de la programmation. Alors, à la fois, vous êtes critique, interrogatif, à défaut d'être critique complètement, et en même temps, c'est sûrement... Il y a peut-être peu d'amendements sur cet article 9. C'est sûrement une des plus belles avancées dans la lisibilité de la programmation militaire. Parce que jadis, le Parlement votait une loi, circulait, il n'y avait plus rien à voir, à part les lois de finances initiales, annuelles. Ensuite, on va vers une revoyure. On a eu le débat avant le dîner, on n'y revient pas. Et là, pour la première fois, le gouvernement va venir devant le Parlement pour expliquer comment il construit le budget de la nation en matière militaire pour l'année N+1. Ça veut dire en clair que non seulement on a 15 jours de débat plus une semaine en commission pour la programmation militaire, très bien, non seulement il y a les travaux de la commission de la défense, des affaires étrangères, des affaires européennes, je fais la synthèse de tous les amendements, qui permet évidemment de contrôler le gouvernement, très bien. Pour les parlementaires qui veulent travailler, il y a tous les déplacements qui permettent de contrôler sur pièce et sur titre, vous en êtes, très bien. Il y a les discussions budgétaires classiques, annuelles, l'OLFIC, avec tous les rapports qui vont avec, même si malheureusement ils ne sont pas assez lus, me semble-t-il, très bien. Et en plus, on va y rajouter un débat, en plus de la revoyure en 2027, qui permet de contrôler le gouvernement sur les intentions avant l'écriture de la programmation militaire.
Je vais vous dire une chose, monsieur le député, la prochaine étape, c'est de prendre ma place, mais pour ça, il faut gagner les élections. Merci, monsieur le ministre. Je vais le mettre aux voix. Alors, je rappelle que c'est l'amendement du rapporteur qui a reçu un avis favorable de monsieur le ministre, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement 80, monsieur Zissenstuhl. Madame la Présidente, monsieur le ministre, chers collègues, très rapidement, oui, donc c'était un amendement à peu près dans le même ordre d'idée que le précédent pour faire monter en puissance la Commission des affaires européennes, parce qu'on voit, et je le dis, j'imagine qu'une prochaine loi de programmation militaire dans quelques années, ces débats reviendront de façon encore plus accrue. On voit bien le besoin qu'a notre Assemblée de pouvoir débattre spécifiquement des enjeux européens sur les questions militaires. Et donc, à l'Assemblée nationale, nous avons une commission qui est dédiée à cela. Merci, monsieur Zittenstuhl. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le député, pour cet amendement qui appelle finalement à cet investissement autour des questions de défense et de la Commission européenne. Donc, comme vous le savez, vous pouvez vous saisir de ce rapport et puis faire aussi auditionner un certain nombre de personnalités. Donc, je comprends très bien cet appel, mais je vous demanderai un retrait. Merci, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente, même explication que tout à l'heure, vie interne du Parlement, le gouvernement ne tient pas à s'en occuper. Avis de sagesse. Monsieur Zissenstuhl, vous le retirez ? Non, vous le maintenez ? Alors, je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable du rapporteur et de sagesse du ministre. Qui est pour ? Alors, qui est pour ? Levez la main si vous êtes pour. Voilà. Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Alors, avant de passer au scrutin sur l'article 9, je vous indique que je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public sur l'article 9 bis, que je suis saisie sur l'amendement 1645 d'une demande de scrutin public par le groupe écologiste NU, et que je suis saisie sur l'article 10 par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public. J'annonce ces trois scrutins dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vais mettre aux voix l'article 9, qui fait l'objet d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 153, exprimés 150, majorité 76 pour 141 contre 9. L'Assemblée nationale a adopté. Article 9 bis, amendement 1645. Monsieur le Président Bourlange. Elle m'a donné la parole. Merci, Madame la Présidente. Oui, je soutiens deux amendements, je vais les défendre ensemble, ce sont les mêmes, qui disent quelque chose qui me paraît et nous paraît à la Commission des affaires étrangères de bon sens et dont je m'étonne qu'elle ait suscité une réaction négative de la part de la Commission de la Défense. Vous savez que la Commission de la Défense, que la politique militaire, pardon, c'est la continuation de la politique extérieure par d'autres moyens. Il nous a semblé normal que la Commission des affaires étrangères, comme la Commission des finances, qui fournit les moyens budgétaires à toute l'affaire, comme la Commission de la défense, puissent bénéficier de toutes les facilités d'accès aux documents, d'accès à l'information, de contrôle dans l'application de la loi de programmation militaire. La Commission de la défense a réagi un peu négativement. Très franchement, je ne comprends pas pourquoi. Une commission aussi respectée, aussi compétente, présidée par un président aussi remarquable, comment pourrait-elle s'inquiéter du fait que la Commission des affaires étrangères, qui ne menace en aucune façon ses prérogatives, demande simplement la possibilité de bénéficier des moyens de faire son métier. Voilà ce que nous défendons. Alors, il y a un sous-amendement. Et maintenant, Madame Santiago, je ne dirai pas la définition classique
du sous-amendement par rapport à l'amendement qui avait été formulé naguère, je crois, par M. Chevènement, qui voyait la différence entre une arrière-pensée et une pensée. Il n'y a pas d'arrière-pensée chez Mme Santiago. Il y a une observation alors, tout à fait juste. Et je soutiens le sous-amendement et je soutiens alors, les deux amendements. Je vous remercie, Mme la Présidente. Monsieur le Président Bourlange, le sous-amendement de Mme Santiago... Monsieur le Président Bourlange, le sous-amendement de Mme Santiago a été retiré. Donc il n'est plus en discussion. Voilà. Alors, monsieur le rapporteur, votre avis sur le 1645. Merci, Madame la Présidente. Pour revenir donc au sujet de l'amendement de l'excellent président de la Commission des Affaires étrangères, on a de la chance d'avoir que de bons présidents. Écoutez, moi, quand je suis arrivé député il y a 6 ans, 7 ans bientôt, je m'étais fait la même réflexion, d'autant plus que le Sénat étant... je me suis dit, finalement, c'est un peu la même chose. Mais sincèrement, après toutes ces années au sein de la Commission de la Défense, je vous assure que pour rentrer vraiment dans l'épaisseur de ce que c'est que les armées... Alors, pas que il y a d'autres plus compétents que d'autres, c'est pas ça, c'est qu'il faut du temps. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment rentrer dans les dossiers et que ce soit en termes de programmation, d'équipement, de singularité militaire, c'est tellement spécifique, sincèrement, que je pense que c'est une force pour notre pays. C'est une force, vraiment, que l'Assemblée nationale ait deux commissions. J'ai changé d'avis en 6 ans par l'usage, en faisant, je vous assure. Et donc, merci de vous intéresser autant et à juste titre à tout ce que fait la Commission de la Défense. Mais je pense que vous pouvez toujours vous saisir d'un certain nombre de choses. D'ailleurs, vous le faites à travers beaucoup d'auditions. Il m'arrive de monter à l'étage aussi à la Commission des Affaires étrangères. Vous le faites. Et cela me semble suffisant, complet. Et je pense que laisser les choses telles quelles sont satisfaisantes. Donc, j'émettrai un avis défavorable avec tout le respect que je vous dois. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Une sagesse timide et très réservée. Merci. Alors, non. Madame Santiago. Oui, vous voulez la parole maintenant ou après les autres orateurs? J'ai bien entendu. Enfin, c'est comme vous voulez. Alors, Madame Santiago. Oui, juste. Donc, en effet, amendement retiré, mais juste pour dire au président Bourlange, en fait, je pense que ce sujet-là, c'est un sujet qui nous a préoccupés de longue date. J'ai pas une grande expérience à l'Assemblée nationale à travers mes 2 années de député, mais il est vrai que la question ça avait été posée entre le Sénat, qui n'a qu'une commission qui regroupe les deux, et l'Assemblée nationale, qui en a deux. Moi, personnellement, pour mon expérience, l'Assemblée nationale, j'y siège à la commission de la défense. Pour autant, bien évidemment, que les sujets internationaux et géopolitiques sont mêlés. Donc je comprends l'amendement, mais il est vrai qu'il s'agit plutôt des règlements intérieurs et que c'est à l'occasion des élections dans le renouvellement de nos parlements, donc en 2027, que la question pourrait être posée comme elle aurait pu être posée au renouvellement de 2022. Mais en fait, à partir du moment où nos commissions fonctionnent à ce stade dans un cadre qui est séparé par rapport au Sénat qui est fusionnel, je pense qu'il est important qu'on continue de travailler comme on le fait jusqu'à présent, en bonne entente, tous ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Bayou. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, en tant que membre de la Commission Défense, je devrais dire, mais qu'est-ce que c'est que cette volonté d'intrusion de la Commission des Affaires étrangères dans le champ réservé de la Commission Défense? Et en vérité, non, c'est un amendement très important que nous voulons soutenir. C'est l'enjeu de reconnaître l'interdépendance, finalement, entre défense et affaires étrangères. On l'a dit et répété, y compris... le fait que même notre armée peut être en danger quand les moyens diplomatiques reculent. Et puis tout simplement parce que nous, commissaires de la Défense, avons besoin d'éléments sur des éléments de géopolitique, géostratégie, j'en manque parfois. Et bien sûr, les membres de la Commission des Affaires étrangères doivent pouvoir examiner, au vu du contexte géostratégique qu'ils peuvent connaître mieux, d'examiner et de donner leur avis sur l'adéquation
des moyens avec les situations que peuvent rencontrer nos armées. Et donc, un processus de fusion dans le cadre d'un renouvellement du règlement intérieur me semble très lourd. Ça peut être envisageable, puisque ça fonctionne au Sénat, et mes collègues au Sénat m'en disent du bien. Mais dans l'attente, ou peut-être même pour le tester, eh bien, le fait que la Commission des affaires étrangères puisse avoir droit de regard, ou en tout cas d'examen, de la situation de la LPM me semble aller dans la bonne voie. Et donc, je nous invite à le soutenir, même si ce n'est pas la Commission défense. Merci, Madame Jeuneté. Merci, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Bourlange, vous soulevez une question qui est tout à fait intéressante et qui nous interpelle, d'autant plus que lorsque nous voyons qu'au Sénat, nous avons une seule commission qui réunit la Défense et les Affaires étrangères, on est en droit, évidemment, légitime de se poser la question de savoir pourquoi nous avons, nous, à l'Assemblée nationale, deux commissions. Et cette réflexion, me semble-t-il, peut être renvoyée, puisque c'est du ressort du règlement intérieur, et une réflexion notamment pour les élections de 2027, comme le disait ma collègue Isabelle Ciantago. Mais au-delà de ça, vous le aviez dit en commission, et je vous rejoins tout à fait, Monsieur le Président Bourlange, sur le fait que la politique de défense que nous menons, et ce à quoi nous réfléchissons aujourd'hui, est bien au service, en effet, d'une politique étrangère. Et vous venez de soulever le fait que vous souhaitiez, vous, Commission des Affaires étrangères, avoir accès à un certain nombre de documents, et je comprends encore une fois tout à fait, nous comprenons tout à fait cette exigence que vous pouvez avoir à la Commission des Affaires étrangères, mais il me semble qu'aujourd'hui, en attendant que nous ayons une seule commission, peut-être un jour à l'Assemblée nationale, vous avez les moyens, par exemple, par le biais d'une délégation au fond sur un texte, d'avoir accès à tous ces documents que vous souhaitez connaître, en avoir connaissance. Vous avez également la possibilité, me semble-t-il, d'avoir aussi des missions d'information conjointes entre la Commission de la Défense et la Commission des Affaires étrangères. Vous pouvez également vous faire une saisine pour avis. Donc, il me semble que vous disposez aujourd'hui des éléments, des outils réglementaires institutionnels qui vous permettent d'avoir accès aux documents qui vous permettraient d'approfondir votre réflexion. Et ensemble, je recommande que nous puissions poursuivre cette réflexion sur faut-il avoir une ou deux commissions au sein de notre Assemblée. Merci, Monsieur le Président Gassilou. Monsieur le Président... Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Alors, moi aussi j'ai lu la fable du corbeau du renard, mais je vais quand même être élogieux à propos du Président Bourlange, que nous accueillons toujours avec grand plaisir à la Commission de la Défense, et nous mesurons l'intérêt qu'il s'interroge sur les questions de défense. Et je pense pouvoir dire qu'on a depuis le début du quinquennat une très bonne articulation entre nous, nos équipes travaillent bien ensemble, nos commissaires, et on a d'ailleurs eu l'occasion de faire plusieurs déplacements ensemble où on a montré une certaine complémentarité. Peut-être pour commencer un premier point, pour vous dire qu'à la Commission de la Défense, nous sommes très attachés à la commission, à la défense globale. La défense globale, ça veut dire que la défense, c'est l'affaire de tous. Et d'ailleurs, on se réjouit que pour cette LPM, au-delà de la Commission de la Défense, deux commissions se soient saisies pour avis de ce texte, la Commission des Finances et la Commission des Affaires étrangères, que par ailleurs la Commission des Affaires européennes se soit impliquée au travers de ses membres, et par ailleurs la Commission de la Défense a délégué une partie du texte, les articles 32 à 35 qu'on aura bientôt à étudier, à la Commission des lois, et a même saisi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, pour vous dire que nous sommes les premiers promoteurs de la défense globale, une défense qui doit être l'affaire de tous. Et au-delà des commissions, bien entendu, on s'appuie également sur les autres commissions, on fait des choses, quand on parle de BITD avec la Commission des Affaires économiques, on aura avec les affaires culturelles et l'éducation la question du SNU, par exemple, à gérer. On s'appuie sur les groupes d'amitié. On a eu les Pays-Baltes qui sont venus dans le cadre d'une visite commune avec les groupes d'amitié, avec l'Assemblée parlementaire franco-allemande, avec les groupes d'études comme l'Espace. Donc nous sommes très attachés à la défense globale. Pour autant, c'est là où je pense que j'ai un désaccord de principe avec le président Bourlange. Si on est très attaché à la défense globale, la politique de défense n'est pas inféodée à la politique des affaires étrangères. Bien sûr, sur les opérations extérieures, militaires et diplomates agissent de concert dans le cadre d'une politique gouvernementale sous les directives du président de la République. Sur d'autres sujets, les diplomates n'ont rien à dire. Si je prends les missions intérieures, les diplomates ne disent rien sur l'opération Sentinelle, heureusement. Et si je prends même certains éléments de la politique de défense, comme la dissuasion, ils imposent même aux diplomates une politique étrangère.
la France est à doter, impose bien entendu une politique étrangère spécifique. Et c'est pourquoi dans notre Constitution, dans l'organisation de notre pays, c'est bien le président de la République qui est le chef des armées et non la ministre des Affaires étrangères. Et c'est pourquoi M. Sébastien Lecornu, ici présent, n'est pas le secrétaire d'État de Mme Colonna. La Défense a une existence propre et je pense qu'il faut qu'il en soit ainsi au sein de notre Assemblée. Bien entendu, nos politiques publiques sont imbriquées et pour la bonne efficacité de nos travaux, chaque commission doit pouvoir contrôler les politiques qui lui sont propres selon le principe de spécialisation. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à suivre la décision à l'unanimité, moins le groupe MoDem, de la commission de la Défense et à repousser cet amendement. Et j'invite à nouveau mon collègue Jean-Luc Bourlange à continuer le travail qu'on mène ensemble. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Bourlange. Merci, Madame la Présidente. Je serai sensible aux arguments développés par le président Gazidou si l'amendement dont il était question diminuait en quoi que ce soit les pouvoirs de la Commission de la Défense. Il ne vise pas à cela. Il a tout à fait raison, le président de la Commission de la Défense, de rappeler que la défense est l'affaire de la nation tout entière. L'ordonnance de 59 le dit. Le général de Gaulle a écrit dans la Discorde chez l'ennemi, qui est son meilleur livre, insuffisamment lu, a dit à quel point il était essentiel que la défense soit soumise à la politique. Nous participons tous à la mise en œuvre, à la définition, à la mise en œuvre d'une politique extérieure dont les forces armées ont la responsabilité de la mettre en œuvre sur le plan militaire. Là n'est pas du tout la question. Nous n'empiétons en aucune façon et nous ne demandons à empiéter en aucune façon sur les pouvoirs de la Commission de la Défense. Nous lui demandons simplement de nous laisser faire notre métier. Madame Genetet, bonne apôtre, nous explique qu'avec les informations qu'on a, ici et là, etc., ce n'est pas exactement les mêmes que celles de la Commission de la Défense, mais on peut faire avec, ça devrait nous suffire. Eh bien non, laissez-nous, chers collègues, déterminer nous-mêmes ce qui est utile à notre contrôle, ce qui est utile à l'accomplissement de notre mission. Nous n'empiétons pas sur la vôtre, de grâce, n'empiétez pas sur la nôtre. Alors il y a l'argument, le placard, le cadavre dans le placard, qui est la possibilité d'une jonction, d'une unification des deux commissions, comme c'est le cas au Sénat. Ça n'est pas à l'ordre du jour. Ça n'est pas l'idée d'une majorité de la Commission des Affaires étrangères. Ça n'est pas concerné. Mais justement, et je terminerai par là, mes chers collègues, c'est parce qu'il y a deux commissions qu'elles font chacun un travail et qu'elles concourent l'une et l'autre au contrôle de la politique étrangère et de la politique de défense, qu'elles doivent disposer des mêmes moyens de contrôle et d'information. C'est l'égalité dans l'interdépendance. Et dans l'indépendance. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Thiriot, puis Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout le monde ici sait le brio du président Bourlange. C'est un bonheur de l'entendre, on se sent plus intelligent après qu'avant. Ça n'est pas pour autant qu'on est toujours d'accord avec lui. Et voyez-vous, trois raisons au moins font qu'à mon avis, cette proposition ne peut pas être retenue. La première, c'est d'une part un héritage. N'oubliez pas ce qu'était cette commission défense. C'était la commission qui, tout au long de la guerre de 1914-1918, s'est réunie en comité secret pour prendre les décisions qui engageaient la défense du territoire. Alors, et c'était fait. Seul Monsieur Thiriot, s'il vous plaît, a la parole parce que c'était fait à la commission de la défense parce qu'il y avait des enjeux de secret et de sécurité. Le deuxième élément, c'est que la matière que constitue la défense est une matière très technique, est une matière sur laquelle ceux d'entre nous qui sont engagés sur le sujet se donnent à fond. Et ça me fait arriver
Au troisième sujet, Monsieur le Président Bourlange, quand vous étiez en commission et que vous êtes venu défendre cet amendement, vous avez cité Clausewitz et vous avez dit que la commission des affaires étrangères devait prendre en main ce sujet et en tout cas y siéger parce que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais si nous sommes tous clausewitziens, il y a aussi, dans le même de la guerre de Clausewitz, un passage sur les états-majors qui dit bien que les sujets militaires relèvent des militaires et des spécialistes. Et nous, politiques, nous nous en occupons à la commission des forces. Merci, Monsieur Thiriot. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Bourlange, vous, à travers votre amendement et sa défense, vous nous donnez l'illusion, qu'on pourrait rentrer dans toute l'épaisseur de ce que c'est que la défense nationale, de ce que c'est que les armées, la singularité militaire, les programmes d'équipement complexes, l'innovation, à travers un miton, entre guillemets. Ce n'est pas possible. La preuve en est, c'est que le Sénat a fusionné, enfin ne font qu'une commission. Alors soit vous allez jusqu'au bout et vous nous dites on ne fait qu'une seule commission, mais ne nous faites pas croire que vous pouvez à demi je ne sais pas quoi, traiter les questions de défense. Ça peut ne se faire qu'à plein temps. Et ce que vous proposez, c'est finalement de le faire à moitié, ce qui n'est pas possible. Donc, votre souhait est tout à fait louable, je le comprends, mais n'est pas faisable. Donc, soit vous nous demandez de faire une seule commission, ce que je comprendrai et je serai contre, ou soit vous gardez votre amendement et je serai contre, avec tout le respect que je vous dois. Alors, une fois cette discussion achevée, je vais mettre aux voix. Alors, monsieur le... Pardon ? Alors, monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Je me permets, comme le Président Bourlange a intervenu deux fois, je me permets également de lui apporter quelques éléments de réponse pour lui dire qu'à nouveau, je ne me positionne pas pour ma part sur la question de la fusion des commissions qui pourra intervenir peut-être un jour venu, mais il faudra bien qu'on en mesure les implications. Mais simplement, si je comprends bien votre argumentation, le cher Président Bourlange, vous nous dites l'égalité en commission voudrait que chaque commission ait les mêmes compétences. Or, je vous rappelle le principe de spécialisation qui est important pour l'efficacité de notre travail parlementaire. Je pourrais également vous dire que le rôle des diplomates est majeur dans la conduite des opérations militaires. Pour autant, je ne revendique pas que les rapporteurs budgétaires de la Commission de la Défense puissent auditer le budget du Quai d'Orsay. Nous avons 8 rapporteurs budgétaires à la Commission de la Défense qui font chacun un travail excellent. Ce sont des rapporteurs budgétaires issus de l'ensemble des principaux groupes politiques. Et donc non à la duplication des compétences, oui à la collaboration, mais pas en tout cas à la perte d'efficacité au travers d'une duplication des compétences. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 1645 du président Bourlange, qui a reçu un avis défavorable de la commission et de sagesse de monsieur le ministre. Et j'ai annoncé un scrutin public tout à l'heure dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 170, exprimés 165, majorité 83 pour 42 contre 123. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le 1561, rédactionnel, monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Favorable. Merci, je vais le mettre aux voix avec un avis favorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Le 1646 du président Bourlange. Alors, je comprends qu'il a été défendu. Monsieur le président Bourlange, je comprends que vous l'avez défendu tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais le mettre aux voix. Alors, monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre. Sagesse. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 1646 du président Bourlange avec un avis défavorable de la commission et de sagesse du ministre. Qui est pour ? Qui est contre ?
Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 9 bis, pour lequel il y a un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 169, exprimés 166, majorité 84 pour 166, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Article 10. Je vais mettre aux voix l'article 10 qui fait l'objet d'un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 158, exprimés 146, majorité 74 pour 143, contre 3. L'Assemblée nationale a adopté. Je vous indique que sur les articles 11 et 12, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, en fait, on vous entend plus sur les travées que les orateurs qui prennent la parole, donc je vous invite juste à baisser un peu le volume sonore. Je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde. Des amendements à l'article 11, le 265, Madame Dintorni. Madame Antoine, défendu. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Demande de retrait. Merci, monsieur le ministre. Retrait car satisfait, madame la présidente. Madame Antoine, vous le retirez, vous le maintenez ? Maintenu, je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la commission du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Des amendements pouvant être soumis à une discussion commune. Monsieur Gonzalez, le 1475. Merci, madame la présidente. Un petit amendement aux grands effets ici, puisqu'il vise à inscrire dans la loi notre volonté d'intégrer la diffusion du devoir de mémoire auprès de la jeunesse dans les missions de l'ordre de la Libération. Car depuis sa création, le 16 novembre 1940, l'ordre de la Libération a évolué. Aujourd'hui, il s'agit d'un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère des Armées. La loi de programmation militaire du 13 juillet 2018 a élargi le conseil d'administration et confère une nouvelle mission à l'ordre de la Libération, développer l'esprit de défense à travers le parcours des compagnons et des médaillés de la résistance française. Il semble donc intéressant, dans le cadre de nos travaux sur l'amélioration du lien armée-nation, d'intégrer le devoir de mémoire auprès de la jeunesse. Cette jeunesse, de plus en plus déconnectée du monde militaire et en quête de sens dans les missions de l'ordre de la Libération. Je vous remercie. Merci. Alors, toujours en discussion commune, le 455, Madame Bazin, Malgras ou Monsieur Thiriot. Défendu. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Oui, alors avis défavorable pour le 1475 et favorable pour une rédaction plus juste au 455. Alors, défavorable au 1475. Et favorable au 455. Défavorable, oui. Et favorable au 455, qui est une rédaction plus précise. D'accord, merci, monsieur le ministre. Madame la ministre. Oui, alors, comme le rapporteur, je demande à monsieur Gonzalez de pouvoir retirer son amendement, parce que celui de madame Bazin-Magras précise les moyens concrets que l'ordre mettra en œuvre pour exercer sa mission de rayonnement auprès des générations futures. Donc, favorable. Merci, madame la ministre. Monsieur Bayou. Oui, merci, madame la présidente. Écoutez, je pense que le deuxième amendement, le 455, est non seulement mieux formulé, mais plus cohérent vis-à-vis de l'histoire commune de notre pays. L'amendement de 1475 de monsieur Gonzalez me semble vraiment insultant à l'égard, en fait, de l'ordre de la Libération. Seul monsieur Bayou a la parole. Émanant d'un membre d'un parti qui a été cofondé par un membre de la Waffen-SS et qui, toute son existence, a combattu le général de Gaulle. Ça n'était pas le seul résistant, mais enfin, c'est évidemment un des premiers résistants de ce pays et notamment le fondateur de cet ordre de la Libération que nous souhaitons honorer et perpétuer. Et donc, pour ces deux raisons, je trouve que c'est parfaitement insultant, en vérité, que cet amendement puisse être discuté de la sorte. Et donc, nous soutiendrons plutôt le 455. Merci, monsieur Bayou. Alors, monsieur Gonzalez, est-ce que le 1475 est maintenu ?
Oui, Madame la Présidente, il y a d'autres moyens de se faire plaisir que de se masturber l'esprit. Moi, je maintiens mon amendement. Merci. Je vais le mettre aux voix. Je vais mettre aux voix l'amendement 1475 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le 455 a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Madame Ménard, le 1102. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement de précision encore une fois, puisque la rédaction actuelle de l'alinéa 4 de l'article 11 place au Conseil d'administration de l'Ordre de la Libération des représentants de l'État. Et il me semble que les représentants de l'État, c'est un petit peu imprécis comme rédaction. Et je trouverais plus légitime de placer au Conseil d'administration des représentants du ministère de la Défense, puisque celui-ci a par ailleurs la tutelle sur l'établissement, sur l'Ordre de la Libération. Voilà, donc modification et remplacement des représentants de l'État par des représentants du ministère de la Défense. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission. Madame la Présidente, Madame la députée, l'inconvénient dans votre amendement, c'est que ça écarterait de fait des personnes d'autres ministères, ce qui serait aussi regrettable. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Madame la députée Ménard. Alors, la précision que vous souhaitez apporter à la composition au Conseil d'administration de l'Ordre de la Libération ne permet plus d'y faire rentrer le représentant, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Je vous demande donc de retirer cet amendement et peut-être vous rassurer en vous disant que, en effet, l'Ordre de la Libération est non seulement le gardien de la mémoire des combattants et résistants de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi un acteur essentiel du développement de l'esprit de défense et de jeunesse. Pour renforcer les actions de l'Ordre auprès de la jeunesse, j'ai demandé à mes services de modifier par voie réglementaire la composition du conseil d'administration. Aux côtés des représentants de mon ministère, siégera à l'avenir le représentant du ministère chargé de la jeunesse. Il contribuera à ce que l'Ordre de la Libération soit une source éternelle d'inspiration pour les enfants de France toujours unis. Par ailleurs, la modification à venir sera également l'occasion de faire entrer la DGSE au conseil d'administration, illustrant ainsi la filiation historique de ce service avec le Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA. Voilà, donc pour tout cela, je vous demande le retrait. Merci, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. J'entends tout à fait les arguments. Je me permettrai du coup d'ajouter, pour faire plaisir à Monsieur Bourlange, qui est parti, à mon avis, un peu déçu du rejet de son amendement, peut-être qu'on pourrait y rajouter le ministère des Affaires étrangères, du coup, pour lui faire plaisir. Merci Madame Ménard. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 1102, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 11 qui fait l'objet d'un scrutin public que j'ai annoncé tout à l'heure. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 131, exprimés 128, majorité 65 pour 127 contre 1. L'Assemblée nationale a adopté. Nous passons maintenant à l'article 12. Avec des amendements en discussion commune et même des amendements identiques. Le 12, Monsieur Nejelen. Merci Madame la Présidente. Cet amendement de notre collègue Pierre Morel-Aluissier vise à augmenter la possibilité de durée sur la réserve en passant de 10 jours à 15 jours, en partant d'un principe simple en fin de compte, c'est que les industries de la défense ont une relation privilégiée avec les armées et donc d'augmenter ce délai de 5 jours supplémentaires. Merci. Sur le 414, Madame Ménard. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis étonnée qu'il soit en discussion commune. Mais c'est un amendement de précision qui vise à s'assurer que l'intégralité des dommages subis par un militaire seront indemnisés.
dès lors qu'il ne s'agit pas d'une faute personnelle de celui-ci ou de toute autre circonstance particulière qui serait détachable du service. Et donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on apporte la précision, l'ensemble des dommages directs et indirects, physiques ou psychiques, subis par le militaire. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, ils sont en discussion commune parce que vous modifiez tous les deux l'alinéa 3. Vous ne le modifiez pas de la même façon, mais vous le modifiez tous les deux. Et là, ce sont même des amendements identiques, d'ailleurs. Alors, toujours en discussion commune, à l'alinéa 3. Non, mais c'est le 1035 que vous avez défendu, non, du coup ? Mais le 1035, alors ? Si, Madame la Présidente, j'ai défendu le 414 et maintenant je défends le 1035 qui ont un peu le même objet, effectivement. Toujours un amendement de précision qui vise à intégrer les blessures d'ordre psychique et notamment le stress post-traumatique, par exemple, dans le corps des dommages qui peuvent prétendre à une prise en charge de l'État. Et donc préciser dans l'amendement blessures physiques ou psychiques. Je vous remercie. Merci. Et le 985 ? Il est défendu. Qui défend ? Monsieur Berthelot, Monsieur Alizio, Madame Ozano ? Défendu. Oui, je vais vous passer la parole, mais je vais d'abord demander au rapporteur l'avis de la Commission sur l'ensemble de ces amendements. Alors, satisfait pour l'ensemble des amendements, Madame la Ministre va ajouter les complets. Alors, Madame, donc ça veut dire avis défavorable ? Oui. Madame la Ministre. Alors, je vais défendre donc les quatre amendements en même temps, Madame la Présidente. Les précisions donc apportées par les amendements partent d'une bonne intention, mais sont en fait contre-productifs et viendront amoindrir la protection dont bénéficieront les militaires. Pourquoi ? Parce que le risque de faire un inventaire des dommages indemnisables au niveau de la loi et d'en oublier... À seul titre d'exemple, vous ne mentionnez pas les préjudices patrimoniaux. Donc, pour cela, je vous demande un retrait pour les quatre amendements, sinon avis défavorable. Merci, Monsieur Nagelen. Juste, Madame la Présidente, signaler que, mais je n'avais pas mis les lunettes, j'ai défendu l'amendement 13 et non pas l'amendement 12. C'est pour cela que le sujet n'était pas... C'est pour ça qu'on s'est... Exactement. Ça nous a embrouillé, mais voilà. Donc voilà, donc juste l'amendement que portait Pierre Morel à l'huissier, notre collègue, correspond exactement à ce que disait notre collègue Madame Emmanuel Ménard. On est d'accord. Alors, Monsieur Saint-Toul. Merci, Madame la Présidente. Sur cet alinéa 3, notre groupe avait déposé un amendement qui a été jugé irrecevable, mais je tiens quand même à vous en faire part, en tout cas sur l'esprit. Parce que cet alinéa 3 précise que l'indemnisation des blessés est étendue, mais avec une clause qui nous paraît en réalité délicate, disons. Sauf en cas de préjudice imputable à une faute personnelle du militaire ou à toute autre circonstance particulière détachable du service. Telle est l'exception qu'on fait. C'est-à-dire que, mes chers collègues, le gouvernement a décidé que les blessés pour cause de faute ne seront pas indemnisés. Ça veut dire que si vous êtes militaire et qu'on arrive un jour à faire valoir que, oui, bien sûr, vous êtes blessé, mais vous êtes blessé, vous avez commis une erreur qui a conduit que vous êtes blessé, alors on considérera que d'une certaine façon, vous l'avez fait exprès et qu'il n'y a pas à vous indemniser. Eh bien, cette formulation, elle nous paraît grave. Parce que dans le cas d'un accident du travail, par exemple, eh bien, on n'imaginerait pas, enfin, je crois qu'on ne devrait pas imaginer, que, bien sûr, vous auriez commis une forme de légèreté, vous n'auriez pas tout à fait respecté une procédure. Eh bien, vous ne devriez pas être indemnisé. Je crois qu'il y a un problème. Aucun de celles et ceux qui vont être blessés ou auront été blessés, même du fait d'une négligence, ne l'auront fait de gaieté de cœur. Il est normal de dire que la nation est reconnaissante, y compris à l'égard de ceux qui auraient eu une forme de négligence à l'endroit de leur propre sécurité. Et je crois que le gouvernement, je ne sais pas si le gouvernement l'a fait en toute connaissance de cause, sans mesurer ce qu'il y avait de choquant, en réalité, dans cet alinéa. Mais nous voulions, nous élever contre cette formulation. Il ne nous a pas été possible de maintenir un amendement puisqu'il a été retoqué pour les raisons de l'article 40. Mais je crois sincèrement que ça n'est pas possible de dire que la nation dise aux blessés qui ont pu être à l'origine même de leur blessure par une négligence, eh bien, vous êtes rendu coupable et donc la nation ne vous rendra
aucun service, aucun accompagnement et ne vous rendra pas grâce de tous les sacrifices que vous lui avez consentis, y compris en commettant vous-même une erreur. Merci, Madame la Ministre. Alors, Monsieur le député Saint-Toul, je vais prendre 2 minutes pour vous répondre et surtout pour vous rassurer. Ce dont vous parlez, ça serait un militaire, comme une autre profession, un militaire qui, hors service, se blesserait. C'est jamais pendant le service. Tous les militaires qui se blessent en service seront indemnisés. Donc je voudrais vous rassurer. C'est vraiment hors service, je vous le dis. Vous m'entendez? On est devant la représentation nationale, donc vous pouvez me faire confiance. Ce n'est pas pendant le service. Merci. Merci. Alors, je vais mettre aux voix ces différents amendements en discussion commune, qui ont tous reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Sur les amendements identiques, le 12 et le 414, qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Sur le 1035, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Sur le 985, qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vous indique que sur l'amendement 1140, les amendements identiques 1140, je suis saisie par le groupe Horizon Apparenté d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Ménard, le 1033. Merci, Madame la Présidente. Le 1033, il s'agit d'un amendement de suppression, la suppression de l'alinéa 8. Parce que cet alinéa 8, il limite les conditions d'accès à la réparation des personnes blessées à une période et non pas à des périodes à l'issue desquelles les blessures ont été occasionnées. Et ça me semble problématique parce que les blessures d'ordre psychique notamment, quand elles relèvent d'un stress post-traumatique par exemple, peuvent se déclarer quelques mois, voire des années après l'origine de cette blessure. Et donc, il me paraît important de se conformer à la rédaction antérieure de l'alinéa qui incluait donc les périodes durant lesquelles ont pu survenir ces blessures et non pas une période. Voilà, pour avoir un spectre d'intervention, me semble-t-il, plus large et plus protecteur de nos militaires et de nos soldats. Je vous remercie. Merci, Madame Ménard. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Madame la Présidente. Satisfait par l'amendement que j'avais déposé, donc demande de retrait. Donc défavorable, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, pardon. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais même vous dire que si on adopte votre amendement, ça va même poser un problème, parce que quand on parle d'une période, ça veut dire qu'il suffira d'une seule période, et pas de toutes les périodes, ce qui amènerait à justifier dans toutes les périodes. Donc une période dans laquelle votre symptôme viendrait à être identifié suffirait. Voilà, donc je pense qu'il est, plus important de conserver l'amendement qu'avait déposé et qui avait été adopté par le rapporteur. Je peux vous rassurer, donc il vaut mieux une période que toutes les périodes. Merci. Merci. Alors, Madame Ménard, vous le maintenez? Oui? Oui. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Des amendements identiques. Le 557, Monsieur Lachaud, Monsieur Saint-Toul, le 812. Merci, Madame la Présidente. L'amendement propose la suppression de l'alinéa 10 qui précise que l'article est applicable aux demandes de réparation n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée avant la publication de la présente loi. A priori, il n'y a rien de choquant dans une formulation comme celle-ci. Néanmoins, si on y prête attention, on se rend compte que cela signifie que les blessés qui n'auraient pas pu auparavant bénéficier de la loi telle qu'elle existe, c'est logique, ne pourront pas faire la demande de bénéficier, alors que précisément nous considérons que cette loi est une avancée. Ça signifie donc qu'il y aura une espèce de deux poids deux mesures selon que vous avez été blessé avant l'adoption de la loi ou après l'adoption de la loi, et que d'une certaine façon, encore une fois, la reconnaissance de la nation se découpe en morceaux. Et cela ne nous paraît pas possible ni souhaitable. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. La rétroactivité de la loi est un principe général du droit qui constitue un corollaire du concept de sécurité juridique. Donc, je demanderai un retrait, avis défavorable. Madame la Ministre. Monsieur le député Saint-Toul, alors, l'amendement que vous proposez,
va à l'encontre de ce que vous souhaitez pour les blessés. L'alinéa 10 permet précisément de déroger au principe selon lequel la loi ne dispose en principe que pour l'avenir. Si vous supprimez l'alinéa 10, le risque est que le droit commun s'applique alors et la loi ne concerne donc que les blessures qui sont arrivées après sa promulgation. Donc je vous propose de le retirer, sinon avis défavorable. Ils sont retirés. Alors, je vais mettre aux voix l'article 12 qui fait l'objet d'un scrutin public que j'ai annoncé précédemment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 126, exprimés 123, majorité 62, pour 123, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Un amendement portant article additionnel après l'article 12, présenté par le gouvernement. Madame la ministre, le 1140. Alors, je crois qu'il y a un amendement identique de madame la députée Le Naneff, et oui. Je vais la laisser d'abord défendre son amendement. D'accord. Merci Madame la Présidente. Le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit les hypothèses dans lesquelles une présomption d'imputabilité au service est appliquée à certaines blessures ou maladies subies par les militaires. Le présent projet d'amendement a pour objectif de supprimer la condition des 90 jours de service effectif préalable pour présumer imputable au service toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure ou pendant la durée légale du service national. Et ainsi ouvrir la présomption dès l'arrivée du militaire sur le théâtre concerné. Cette mesure bénéficiera en particulier aux militaires atteints de maladies révélées sur le théâtre et dont on ne peut clairement écarter le lien avec le service. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Avis favorable, Madame la présidente. Merci, Madame la ministre. Merci. Donc, je vais défendre cet amendement. Cet amendement permet aux militaires atteints de maladies révélées sur le théâtre d'opérations extérieures ou après, et dont on ne peut écarter clairement le lien avec le service, de bénéficier d'une présomption d'imputabilité sans délai, au lieu et en place d'un délai de 90 jours. Donc cette évolution bienvenue renforce ainsi considérablement et favorablement la prise en charge des maladies des militaires révélées dans l'exercice de leur fonction. Donc un avis évidemment très favorable. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Je rappelle qu'il y a un scrutin public que j'ai annoncé tout à l'heure dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 124, exprimés 123, majorité 62, pour 120, contre 3. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, je vous indique que sur les articles 13 et 14, je suis saisie par le groupe Renaissance d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous passons à l'article 13 avec des inscrits à l'article. Madame Colombier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Cet article 13 innovant est à saluer car il constitue une réparation à une injustice à l'égard des familles endeuillées par la mort d'un membre de leur famille militaire mort en service. Je suis là, excusez-moi. Je suis là. Je ne peux pas me lever. En effet, depuis longtemps, outre le deuil, les familles doivent veiller aux préparatifs matériels des obsèques et au remboursement à l'institution militaire du trop-plein de la rémunération du mois en cours en raison du décès du militaire. Aussi, nous saluons cette mesure qui met fin à une situation lourde, absurde, et nous sommes totalement ouverts à son élargissement, notamment pour les militaires morts en entraînement ou en préparation militaire. Ce dispositif va donc dans le bon sens, dans le sens de la revalorisation de la condition militaire et le devoir de mémoire et d'hommage que nous devons à ceux qui acceptent le sacrifice suprême de la France. Je vous remercie. Merci. Madame Santiago. Oui, comme ma collègue, merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, c'est parce que je voulais moi aussi m'associer sur cet article 13.
mais c'est valable pour tout le plan blessé que vous avez pu présenter, Madame la Ministre, le 9 mai dernier, auquel nous étions présentes avec ma collègue Mélanie Thomas, pour vous dire en effet que nous réparons à travers cet article 13 une grande injustice, puisque les militaires décédés en exercice devaient, les familles qui étaient dans le malheur, devaient en plus reverser le salaire qui avait été dûment versé pour le mois en entier. C'est aujourd'hui, avec cet article, qui j'espère évidemment fera l'unanimité, peut en fait avoir enfin cette réparation. On le devait à nos militaires, à leurs familles, pour avoir fait le plan famille. Je sais que le plan blessé et le plan à travers l'ensemble des articles qui concernent le plan blessé était attendu. Et donc je voulais en tout cas vous dire toute la solidarité du groupe socialiste sur ces questions. Merci, Madame la députée. Alors, des amendements à l'article, avec tout d'abord des amendements en discussion. Avec tout d'abord des amendements en discussion commune. Le 115, Monsieur Di Filippo. Non, parce que je crois que vous n'êtes pas signataire, Monsieur Minot. Alors, oui, mais ça ne marche pas. Oui, c'est un malentendu. Alors, amendement 32, Madame Martin. Monsieur Breton. Pur dans le dispositif qui est prévu de rémunération pour l'intégralité du mois pour les militaires qui seraient décédés en entraînement. Je crois que c'est important également de prendre ces situations en compte. Merci. Et pour le 243, Madame Galzi. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. Cet amendement vise à inclure au dispositif de versement de la rémunération pour la totalité du mois de son décès les militaires décédés dans le cadre d'exercices de préparation militaire. En effet, la rédaction actuelle de l'article 13 ne concerne le versement de la rémunération qu'en cas de décès en service, omettant ainsi le versement de la solde du militaire en cas de décès durant des exercices de préparation militaire. Ces décès en exercice de préparation sont certes rares, mais ils existent. Ainsi, leur couverture législative est une nécessité. C'est pourquoi je vous demande à tous, mes chers collègues, de voter en faveur de cet amendement afin de corriger cette injustice et de garantir le versement de la rémunération complète du militaire le mois de son décès en cas d'accident mortel durant un exercice de préparation. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Sur ces amendements identiques, Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Oui, demande de retrait parce que c'est satisfait déjà. Merci, Monsieur le ministre. Madame la ministre. Oui, alors dire que l'article 13 est un article de justice et de décence sur lequel Sébastien Lecornu et moi-même sommes personnellement engagés. Engagés parce qu'il existait au sein des armées une absurdité qui n'existe pas dans l'administration civile. Lorsqu'un militaire mourait, y compris au combat, sa famille se voyait demander le trop perçu de la solde du mois de son décès ou même les trop perçus antérieurs. Lorsque nous avons découvert cela avec le ministre, nous avons voulu immédiatement y mettre fin. Avec cet article 13, ce sera fait. Les familles ne recevront plus ces fameux courriers où on leur demandait donc de rendre la solde. Et c'est une attente forte des familles et du monde combattant en général. Nous y répondons aujourd'hui à travers cet article. Maintenant, sur les amendements, je vais me permettre de vous répondre. En fait, sur les amendements que vous proposez, qui partent certainement d'une bonne intention, hein, mais ils rendent le dispositif plus incertain. Parce qu'un militaire qui est en service, c'est tout, c'est-à-dire de l'entraînement au combat. Donc si vous restreignez par vos amendements, en fait, je pense que nous pourrions avoir justement l'effet contraire de ce que vous souhaitez. Donc, je vous propose de garder l'objectif premier. Et donc, pour moi, vos amendements sont satisfaits. Et je vous demande donc un retrait, sinon un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame Martin ou Madame Galzi, vous le maintenez ? Oui. Je vais le mettre aux voix avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ?
Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 13 qui fait l'objet d'un scrutin public. Le scrutin... Prenez votre temps. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 117, exprimés 117, majorité 59 pour 117 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Nous passons maintenant à des amendements portant article additionnel après l'article 13. Des amendements identiques. Le 1655, Monsieur Lachaud, Monsieur Saint-Toul, le 1660. Merci, Madame la Présidente. Un amendement qui reprend une proposition qui avait déjà été développée par mon collègue Lachaud. Il s'agit de vous proposer la création d'un médiateur parlementaire pour défendre, protéger, si je puis dire, les militaires eux-mêmes, leurs conditions. Il s'agit d'une proposition qui émane d'un rapport qui avait été coécrit par Bastien Lachaud au sujet de la lutte contre les discriminations au sein des armées et du ministère dans le précédent mandat. Et donc cette fonction de médiateur existe en réalité dans de nombreuses armées. Elle permet d'une certaine façon aussi de connecter davantage le législatif, notre assemblée, aux armées, même si évidemment nous sommes régulièrement en rapport avec les militaires. Ce collège qu'on appelle, disons, d'ombudsman, pour utiliser le terme suédois, est chargé d'émettre des recommandations sur l'amélioration des dispositifs de lutte contre les discriminations, sur l'accès aux droits des militaires, l'attribution de la protection fonctionnelle. Il établit un rapport tous les 5 ans sur la base des saisines dont il aurait fait l'objet, mais aussi de visites au sein des forces et de rencontres avec tous les acteurs de la concertation. Il peut notamment entendre les inspecteurs généraux d'armée, les inspections et le président de la commission des recours militaires. Vous comprenez qu'il s'agit, chers collègues, comme vous le demandiez d'une certaine façon tout à l'heure, ou comme vous le vantiez tout à l'heure, il s'agit de donner au Parlement des moyens de contrôle plus grands qu'il n'en a actuellement. Il s'agit de s'assurer aussi que, en réalité, le lien armée-nation est renforcé, parce que à l'Assemblée nationale, nous avons la possibilité de contrôler l'action de l'exécutif. Et c'est notre rôle de contrôler, y compris dans des dimensions RH. Par exemple, il peut y avoir des militaires qui se sentent pas nécessairement entièrement écoutés ou ne pas avoir besoin, ou avoir besoin de voies de recours que dans la hiérarchie militaire seulement, ils pourraient ne pas penser avoir. Et ils ont la disponibilité, ils auraient avec ce médiateur la possibilité de trouver au sein de l'Assemblée nationale une écoute qui leur permettrait éventuellement de défendre leurs droits, de reconnaître le cas échéant qu'ils ont été, ils n'ont pas été protégés. Et donc, il me semble que ce serait une avancée pour tout le monde. Ça permettrait à chacun de progresser, sans méconnaître évidemment le rôle du CSFM, des représentants de différentes catégories, etc. Mais je crois sincèrement que l'Assemblée nationale, c'est son rôle, peut aussi participer à la reconnaissance du travail des militaires. Merci, monsieur le député. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente, monsieur Saint-Toul. Votre amendement, est-ce que vous l'auriez posé pour un autre ministère? C'est toujours la même question. Là, on est ministère des armées, les armées. Est-ce que vous le feriez dans d'autres? J'en doute. Dans votre propos, votre amendement sous-entend déjà, pose déjà les choses. Dans les armées, il y aurait plus qu'ailleurs. Je ne suis pas d'accord avec vous. En plus, votre amendement sous-entend que les inspecteurs généraux des armées ne font pas correctement leur travail. Moi, à leur place, je serais vraiment pas trop heureux de vous entendre. Pour répondre un peu à votre questionnement, sachez que, déjà, le commandement, parce que là aussi, ça sous-entend que le commandement est de mauvaise foi et cacherait quelque chose, est bienveillant et à l'écoute de ce genre de problème de discrimination. Par ailleurs, nous avons des représentants par catégorie de grade dans les armées. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les armées, les soldats, les caporaux, les quartiers-maîtres, les matelots, ils ont un représentant et ils peuvent émettre ce qui ne va pas au sein de leur activité. Et de la même façon pour les sous-officiers, les officiers, etc. Ensuite, nous avons le Conseil supérieur de la condition militaire, qui aussi veille à tout ça, avec des représentants
partout, dans toutes les armées, et qui eux-mêmes représentent tout le territoire national, outre-mer compris. Et enfin, nous avons le Haut Conseil d'évaluation de la condition militaire. Donc, moi, je pense que tout est là pour permettre de réguler si les choses se faisaient mal. Mais je reviens au début de mon propos. Les choses se font pas plus mal qu'ailleurs. Et je me questionne sur cette volonté tout le temps de mettre nos militaires et nos armées en avant comme s'il y avait plus de discrimination qu'ailleurs, ce qui est totalement faux. Donc je donne un avis défavorable à votre amendement. Alors, monsieur le ministre. Défavorable. Monsieur le président. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Alors, je me permets à nouveau d'intervenir pour attirer votre attention, mes chers collègues, sur le statut général du militaire, qui fait partie de la condition militaire. Je vous ai parlé il y a quelques jours de ce qu'apportait ce statut général du militaire à notre pays, notamment en capacité d'intervention au travers d'un statut qui permet d'avoir des militaires disponibles en permanence, qui permet d'avoir des militaires neutres et des militaires en mesure d'aller jusqu'au sacrifice suprême. Il faut bien mesurer ce que ça nous apporte et en quoi on doit chacun, en tant que législateur, être gardien de ce statut du militaire qui, je le rappelle, s'applique aussi bien au ministère des Armées mais à l'ensemble des ministères déployés de partout, que ce soit marins-pompiers de Marseille, gendarmes ou militaires déployés dans tous les ministères. Alors, vous savez, ce statut général du militaire, il implique notamment des restrictions de liberté syndicale, ou restrictions parfois électives, bien qu'on les ait un peu allégées. Ben, il faut savoir que ces restrictions sont compensées par un mécanisme interne aux armées et extérieur aux armées de concertation que j'aimerais ici vous préciser pour vous montrer que les choses sont équilibrées et qu'on n'a pas besoin, me semble-t-il, vu de ma fenêtre, d'un office parlementaire pour faire simple. Déjà, chaque chef à l'armée est responsable de ses subordonnés et donc de la condition militaire, dès les plus bas échelons. Ensuite, dans chaque unité, que ce soit dans une compagnie de combat, que ce soit dans un régiment, vous avez des présidents de catégorie, le président des militaires du rang, le président des sous-officiers, le président des officiers, qui veillent avec l'autorité militaire, bien entendu, à la condition de chaque militaire. Ensuite, à l'échelle des armées, terre, air, mer, haute formation rattachée, vous avez un CFM, un conseil de la fonction militaire, qui est encore un organe de concertation pour essayer d'améliorer les choses, parce que ce n'est pas parce que nos militaires ne sont pas syndiqués que, bien entendu, ils n'ont pas de problème de logement, de crèche ou d'autres problèmes comme ça à régler. Ensuite, à l'échelle de l'état-major des armées, le chef d'état-major des armées, je fais court, dispose lui-même d'une inspection des armées. Et au niveau ministériel, le ministre dispose même d'un contrôle général des armées qui ne relève que de son autorité et qui anime notamment la cellule TEMIS de lutte contre les discriminations. Et vous avez en plus le CSFM, le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui regroupe les CFM. Et vous avez, depuis quelques années, les associations professionnelles nationales de militaires qui permettent également d'avoir une voix associative pour porter les aspirations, certaines aspirations des militaires, bien que ces APNM n'aient pas encore trouvé un franc succès auprès des militaires, ce qui prouve bien que la concertation institutionnelle fonctionne bien par ailleurs. Et enfin, le président de la République, chef des armées, dispose du HCECM, Haut Conseil d'évaluation de la condition militaire, qui le conseille en matière de conditions militaires, qui lui dit parfois quand des choses ne vont pas bien, là encore aussi bien pour les militaires des armées, les gendarmes, les pompiers, etc., et qui lui remet deux fois par an des rapports qui sont extrêmement détaillés. Mes collègues de la Commission de la Défense ont déjà eu l'occasion d'en lire. Par exemple, récemment, le HCECM a rendu un rapport sur la mobilité militaire qui évaluait les bénéfices et les inconvénients de demander en permanence aux militaires de déménager. Et enfin, vous l'avez compris depuis l'amendement Bourlange, vous avez à l'Assemblée nationale une Commission de la Défense dont le rôle est justement d'entretenir en permanence un lien avec l'ensemble des militaires et... Je ne vous ai pas dit à quoi servait la commission de la défense tout à l'heure, ce n'était pas l'objet, mais c'est notamment une des chances pour notre pays d'avoir cette commission pour entretenir ce lien en permanence. Et donc, je voudrais tout simplement répondre à mon collègue par rapport à son amendement, qu'il existe déjà une multitude d'acteurs, que ce soit au sein du ministère des Armées ou à l'extérieur, pour veiller à la condition militaire. Et donc, le dispositif que vous proposez ne répond finalement ni à un besoin, ni à la culture de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Monsieur de Crozaille. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre,
Chers collègues, je suis un des premiers à penser que notre mission constitutionnelle de contrôle de l'action du gouvernement, elle est insuffisamment remplie, faute d'autonomie de compétences et d'expertise. Quand nous avons le privilège d'être rapporteur d'un texte ou d'avoir une responsabilité, nous avons accès à un niveau d'assistance d'excellence au niveau de l'Assemblée nationale, mais c'est un privilège qui est assez rare et chacun à son niveau comme député, je pense que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour contrôler l'action du gouvernement. Mais le contrôle de cette action, c'est le contrôle du résultat de l'action. En aucun cas, la Constitution prévoit que nous pouvons nous substituer au pouvoir exécutif dans sa liberté d'organisation et d'exécution pour atteindre les résultats que nous lui demandons. Je pense que vous êtes en pleine confusion sur le principe de séparation des pouvoirs. Nous contrôlons le résultat attendu de l'action parce que nous avons formulé une intention dans la loi. Nous ne contrôlons absolument pas la façon dont l'exécutif, qui reste libre de s'organiser pour le faire, va atteindre ce résultat. Donc je pense que votre amendement n'est vraiment pas recevable, ne serait-ce que de ce point de vue constitutionnel. Merci. Alors, il est maintenu, Monsieur Saint-Toul ? Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre et dans les deux minutes qui me sont imparties, ce qui va être forcément plus difficile. Tout d'abord, je dois remercier les orateurs qui n'ont pas voulu faire de procès d'intention à notre groupe. Non, nous n'avons aucun soupçon particulier à l'égard des militaires que nous connaissons, que nous saluons, que nous soutenons. Et nous n'avons pas besoin en la matière de brevets de recommandabilité. Ensuite, il y a des voies de recours. Le président l'a dit. Bien sûr qu'il y a des voies de recours. Mais ce que vous indiquez, c'est que ce sont des voies de recours toutes internes. Et que par définition, vous l'avez aussi dit, le statut général des militaires place un militaire qui pense ou qui est réellement dans une situation où ses droits sont bafoué, pas respecté, dans une situation où il peut avoir le besoin de s'en ouvrir à quelqu'un d'autre. Passez-moi l'expression, c'est vague, mais ce quelqu'un d'autre, cela peut être les représentants de la nation, en l'occurrence dans ce format de médiateur collégial, et je crois que c'est un aspect important. La collégialité de ce médiateur parlementaire garantit aussi que personne ne se présenterait comme une espèce de chevalier blanc de je ne sais quelle cause. L'objectif est bien de proposer une voie de plus en la matière pour garantir et protéger les militaires. Et puis, j'ajoute une chose, pour avoir un peu pratiqué les écoles militaires, il se trouve que la condipère, comme on dit, la condition des personnels, c'est un aspect de la formation qui est quand même, avouons-le, le parent pauvre. Donc, qu'on puisse avoir, je ne dis pas que ce soit une règle, mais quand il y a des débordements, quand il y a des droits qui ne sont pas respectés, évidemment, les personnes qui sont victimes de ces situations ne sont pas toujours dans la situation de croire qu'un recours à la hiérarchie leur permettra de surmonter le problème, sans quoi personne n'appellerait jamais Témis ou personne n'appellerait Écoute Défense. Donc, merci. Se donner la possibilité d'accompagner et d'offrir une voix en plus, ça n'enlève rien à ce qui existe déjà et ça merci. Permet à l'Assemblée aussi de jouer son rôle. Merci. Je vais mettre aux voix cet amendement 1656 et identique, qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Article 14, désinscrit à l'article, M. Giletti. Merci, Madame la Présidente. Gagner la guerre avant la guerre, comme le préconise la vision stratégique du général Burkhard, ne se fera pas sans les réservistes. La place accordée à la réserve dans cette nouvelle loi de programmation militaire prétend répondre à un enjeu majeur pour nos armées, l'augmentation de ses effectifs, la rendre plus massive. Pourtant, à l'heure où les états-majors alertent sur la nécessité de densifier ses effectifs, l'objectif porté à 105 000 volontaires pour la réserve opérationnelle d'ici 2035 pose quelques interrogations. Comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre ? Il ne s'agit pas seulement de recruter, mais aussi de former et d'équiper les nouveaux réservistes. Cela nécessite du personnel, du temps et des moyens matériels. Par ailleurs, alors que le dernier soldat français quittait le Mali le 15 août 2022, mettant fin à 8 longues années d'opérations extérieures au Sahel, au cours desquelles la France a perdu 57 hommes et une femme, prêts à mourir par amour pour elle, la guerre en Ukraine nous a elle aussi livré quelques enseignements sur la force morale, la résilience et le patriotisme de toute une nation, d'un peuple.
À ce titre, il est impératif de redonner du sens à l'engagement militaire des Français qui s'interrogent, voire méconnaissent, les possibilités qui s'offrent à eux au sein de la réserve. Pourtant, le renforcement du lien armée-nation, la construction d'un esprit de défense, passe aussi, et même en premier lieu, par cette dernière. Qu'il s'agisse de conflits asymétriques ou conventionnels, la résonance de l'expression « guerre de haute intensité » doit placer la question de la réserve opérationnelle au premier plan, particulièrement à l'aune de ce que nous pouvons observer chez nos voisins européens depuis plus d'un an. Dès lors, que prévoit le gouvernement pour inculquer cet élan patriote chez les jeunes et chez les actifs pour atteindre l'objectif fixé par cette LPM ? Je vous remercie. Merci, Monsieur Blanchet. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre, mes chers collègues. On y arrive, c'est un des articles majeurs de cette LPM au point de vue des réserves. Évidemment, permettez-moi d'abord de penser à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont trois vies, une vie personnelle, une vie dans leur travail et une vie pour l'engagement de la nation au service d'eux dans une réserve. Permettez-moi de penser à tous ces hommes et femmes qui désirent s'engager avec un esprit réellement patriotique et de résilience totale. Cet article vise évidemment à renforcer les réserves, à les améliorer, à avoir un objectif de doubler les réserves. Pour cela, il faudra d'abord fidéliser les réservistes existants, les fidéliser avec une reconnaissance. C'était le mot qui revenait à chacune de nos auditions pour avoir participé au groupe de travail sur les réserves que vous avez conduit, Monsieur le Ministre. Reconnaissance, ça suppose le mot reconnaissance dans l'entreprise lorsqu'ils sont employés, qu'ils n'aient plus peur de se déclarer, qu'ils arrêtent d'être invisibles parce qu'ils auraient peur de pouvoir avoir une promotion, de pouvoir être simplement considérés. Reconnaissance, ça explique évidemment aussi le mot connaissance pour valoriser le fait que s'engager dans une réserve, c'est valorisant pour l'entreprise. Il faut augmenter le nombre de réservistes passera par un recrutement. Et derrière ce recrutement, il faudra de l'information. Et cette information supposera qu'elle soit organisée et structurée. Le rôle de la garde nationale devra être explicité pour avoir une cohérence totale sur l'engagement dans toutes les réserves de la nation et pas que militaire. Profitons de cette idée d'augmenter les réserves pour faire un focus sur le fait que chaque citoyen français, dès le plus jeune âge jusqu'à très âgé, jusqu'à plus de 77 ans, peut s'engager dans une réserve, ne serait-ce que citoyenne. Mettons l'accent sur le fait que la résilience nationale passe par l'engagement de chacun au niveau où il le veut. C'est ça aussi le sens de l'article 14. Et pour conclure, je dirais que les réservistes sont l'âme de la résilience nationale, mais il ne peut y avoir de tolérance vis-à-vis de tout comportement qui viserait à les discriminer parce qu'ils auraient peur de se déclarer. La résilience nationale ne peut supporter aucune discrimination. Merci, monsieur le député. Alors, nous allons passer maintenant aux amendements, avec le 1255, monsieur Benz. Oui, merci madame la présidente, monsieur le ministre. Il s'agit là simplement d'un amendement de précision rédactionnelle, finalement un amendement sémantique pour bien dissocier, distinguer la réserve militaire opérationnelle de la réserve citoyenne. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci pour votre amendement de vigilance, mais cela risque de porter plus à confusion, donc avis de sagesse. Merci, monsieur le ministre. Oui, merci, madame la présidente. Peut-être pour éclairer l'Assemblée nationale sur les terminologies telles qu'elles ont été rédigées. Quand on dit réserve opérationnelle tout court, ça englobe aussi les réserves de la police, d'où l'expression qui a été retenu, y compris dans la ligne 7 que vous avez visé dans votre amendement à la réserve militaire. Et dès lors qu'on dit réserve militaire, c'est forcément la réserve opérationnelle du ministère des Armées, RO1 ou RO2, et ça exclut de facto en droit la réserve citoyenne, puisque la réserve citoyenne ne rentre pas dans le champ de la réserve militaire en tant que telle. Donc en termes légistiques, si on est rigoureux sur la terminologie, avec cet alinéa, vous avez bel et bien les différentes dispositions qui concernent RO1 essentiellement, peut-être à la rigueur RO2, mais en aucun cas la police, si on avait dit réserve opérationnelle tout court, et la réserve citoyenne. Donc c'est satisfait, demande de retrait, monsieur le député. Merci. Il est maintenu ou il est retiré ? Retiré. Le 1409, monsieur le rapporteur rédactionnel. Madame la présidente. Monsieur le ministre. Favorable. Je vais le mettre aux voix avec un avis favorable par définition de la commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Des amendements identiques. Le 1042, monsieur Thieriot. Défendu. Le 1569, monsieur Gonzalez. Présidente,
Cet amendement propose d'intégrer au Code de la Défense et dans l'objet de la réserve citoyenne l'encouragement de l'engagement de notre jeunesse dans le cadre du renforcement du lien armée-nation. Pour reprendre les mots du chef d'état-major de l'armée de terre, Thierry Burcarde, la jeunesse est une force en devenir. Enthousiaste, généreuse, débordante d'idées et d'énergie, elle ne demande qu'à agir. Ses motivations sont diverses, mais ses attentes, restent fortes, sa volonté d'engagement est là. Nos idées se regroupent, monsieur le chef d'état-major. La jeunesse est aujourd'hui en quête de sens, mais aussi en manque de repères. L'armée peut et doit s'ériger en phare dans la brume. Le lien armée-nation doit se renforcer et en ce sens, cet amendement permettrait de lier la jeunesse et réserve tout en consolidant, je le pense, les effectifs de cette dernière par l'attrait de toujours davantage de jeunes recrues. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la commission sur ces deux amendements identiques. Alors, avis de la commission favorable et moi, à titre personnel, j'ai un doute parce que la réserve dite de rayonnement ou encore la réserve citoyenne remplissent déjà cette mission. Donc, sagesse en ce qui me concerne. D'accord, merci. Monsieur le ministre. Défavorable. Merci. Je vais mettre aux voix ces deux amendements qui ont reçu un avis favorable de la commission et de sagesse à titre personnel du rapporteur et défavorable de monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont adoptés. Le 1204, monsieur Giletti. Bien, merci Madame la Présidente. Bon, voilà un amendement qui tient à cœur l'officier de marine de réserve. Je change de casquette dans une des plus belles spécialités, n'est-ce pas, monsieur le rapporteur? Alors, parce que je ne méconnais pas l'article LO142 du Code électoral en vigueur depuis 2009, selon lequel l'exercice des fonctions publiques non électives, comme par exemple un poste dans la réserve opérationnelle, est incompatible avec le mandat de député. Il s'agit bien entendu d'un amendement d'appel. En ce sens, je pense me voir opposer le fait qu'un député ne puisse, du fait de la séparation des pouvoirs, à la fois occuper une fonction législative et parallèlement relever du ministre des Armées. Pourtant, cette réflexion mérite débat et je crois même savoir que dans la 14e législature, il y avait un député du Pas-de-Calais qui avait fait aussi des périodes de réserve tout en étant député en fonction. Alors vous me répondrez certainement qu'il existe la réserve citoyenne, mais je dirais que la réserve citoyenne, tous les députés présents dans cet hémicycle le font naturellement, et encore plus s'ils appartiennent à la commission de la défense. Mais si nous ne prétendons pas débattre des moyens dont ils disposent, je pense qu'il est de notre devoir de montrer l'exemple, de nous engager, de connaître leurs conditions de vie, de partager des moments avec eux, de se rendre aussi disponible pour nos armées, pour la défense, pour notre nation, et de jouer ce rôle d'exemple au sein de nos armées. C'est pour ça que je vous demande de réfléchir sur cette question. Merci. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, madame la présidente. Un débat en perspective. On pourra peut-être en débattre, d'ailleurs, à la commission de la défense avec plaisir. C'est un amendement d'appel, donc je pense que vous allez le retirer. En tout cas, c'est un débat qui mérite d'être fait, peut-être entre nous. Je vous avouerai à titre personnel que je serai quand même assez partagé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la singularité militaire appelle à une neutralité aussi politique dans la façon de servir, etc. Et que rien que le fait d'être député, déjà, malgré nous, de toute façon, on traîne quelque chose qui pourrait faire sortir ou interpréter toute chose que l'on ferait. Et cette singularité militaire est tellement précieuse pour notre pays, parce que c'est ce qui fait que le soldat français est bien plus qu'un fonctionnaire en armes. Mais c'est comme un chevalier qui a envie de servir son pays et d'aller faire ce qu'il doit faire, même jusqu'au sacrifice suprême, si sa mission l'y oblige. Et donc, ça, il ne faut pas le casser. Parce que si on commence à faire entrer, malgré nous, même si on y va de bonne foi, mais cette idée de politique au sein de nos armées, on cache quelque chose de précieux. On parle souvent de la dissuasion, mais en France, on a la dissuasion nucléaire, mais on a aussi la singularité du militaire français. Et ça, c'est quelque chose, un trésor qu'il ne faut surtout pas abîmer, même si ce n'est pas à votre attention ni la mienne d'ailleurs. Hein, ça, j'en suis persuadé. Donc, voilà mon avis personnel. Merci, monsieur le ministre.
Oui, Madame la Présidente, sans être trop long, en fait, ça soulève des sujets de principe qu'on peut regarder de près. Bon, sur la neutralité, c'est un argument, le rapporteur a raison de le pousser, mais c'est plus un argument pour créer une condition que pour exclure et empêcher les parlementaires d'être réservistes opérationnels. J'ai moi-même été maire et président de département en portant l'uniforme. Le commandement m'avait juste donné un certain nombre de prescriptions, en clair d'être à l'opposé de ma zone, de mon canton et de ma commune d'élection. Mais c'est plus de la pratique pour organiser la neutralité. Non, la vraie difficulté pour les forces armées est le mandat de parlementaire, et singulièrement de député et de sénateur, et peut-être encore plus singulièrement de député, parce que constitutionnellement, vous pouvez renverser le gouvernement par une motion de censure. Et d'ailleurs, je note que vous ne vous êtes pas privé d'en avoir signé plusieurs depuis le début de cette législature. En tout cas, pour les députés et les sénateurs, il y a une réalité qu'il faut poser, y compris pour le contenu du débat, parce que ça, en fonction de ce que vous déciderez, ça sent bon la QPC. Donc autant avoir un débat précis sur l'intention du législateur et du gouvernement au moment où on échange, ça permettra d'éclairer le cas échéant le juge constitutionnel éventuellement. Il est clair que si un citoyen français signe un ESR et qu'il est convoqué, il est militaire de plein exercice. On se l'est dit à de nombreuses reprises depuis le début des discussions. Ça veut dire que si un parlementaire signe un ESR, il n'est pas militaire. S'il se fait convoquer, il devient militaire. Ça, c'est factuel. Deuxième des choses, s'il devient militaire, il est donc subordonné à une hiérarchie. Organiquement, le SEMA est le ministre, et in fine, le président de la République comme chef des armées pour tout ce qui concerne, évidemment, les finalités des missions. Ça veut donc dire que là, effectivement, vous vous retrouvez avec le cas d'un parlementaire devenant militaire l'espace de quelques jours par an, quelques semaines, que sais-je, peu importe, qui, pendant ces périodes-là, est sur un lien de subordination directe vis-à-vis de l'exécutif, c'est-à-dire du président de la République et du gouvernement. C'est factuel. Je parle un peu savamment de cette affaire, puisque lorsque je suis devenu membre du gouvernement en 2017, il n'y avait pas de sujet de subordination et de séparation des pouvoirs, mais enfin la question s'est posée, est-ce que je pouvais continuer, pardon, de documenter par un cas personnel, Madame la Présidente, ce débat, mais s'est posée la question de est-ce qu'il fallait me convoquer, toujours me convoquer comme réserviste de la gendarmerie nationale. La question était tranchée, je signe toujours mon engagement à service dans la réserve depuis lors, mais je n'ai jamais été convoqué une seule fois, pour éviter d'avoir un militaire au gouvernement. Parce que ça revenait à avoir un membre du gouvernement militaire. Dans certains pays, c'est très populaire, mais ce n'est pas complètement notre modèle. Bon. Ou alors, il est élu au suffrage universel, c'est le général de Gaulle. Ce que je veux dire par là, c'est que, non, blague à part, ce n'est pas sans poser quand même quelques grandes questions de principe. Alors, si on amène plus loin le raisonnement, on dit, d'accord, enfin, 14-18, beaucoup de parlementaires à l'époque, et les différentes plaques en laiton qui sont adossées ici, rappellent qu'il y a beaucoup de législateurs qui sont partis faire la guerre. Ce qui, je m'empresse de le dire, a généré du droit spécifique. D'ailleurs, dans le code de la Légion d'honneur de l'Ordre national du mérite et de la médaille militaire, vous n'avez pas le droit d'être proposé, mesdames, messieurs les députés, dans les ordres nationaux, sauf pour fait de guerre. Parce que c'est 14-18 qui avait permis d'aménager ça. Mais c'est véritablement les circonstances de la Grande Guerre qui a permis de dégager. Alors déjà, le modèle de subordination au chef de l'État à l'époque, c'est pas la 5e République, c'est la 3e. Bon, je mets ça de côté. Mais en tout cas, ce sont les circonstances exceptionnelles qui avaient aménagé des choses. Il faudrait regarder, peut-être que c'est un sujet dont le bureau de l'Assemblée nationale peut s'emparer, c'est de regarder comment le statut de parlementaire avait été aménagé aussi pendant que le député était au combat. Puisque pendant ce temps-là, je vous rappelle que cet hémicycle n'a jamais cessé, et ça c'est quand même la force de ce pays, cet hémicycle n'a jamais cessé de travailler pendant toute la discussion, et preuve en est la guerre occupée de l'essentiel des débats. Georges Clemenceau, d'ailleurs, lui-même a cumulé les fonctions de ministre de la Guerre et président du Conseil pour ce faire. Et d'ailleurs, beaucoup de matières sont légales, y compris la création de la Croix de Guerre 14-15, puis 14-16, puis 14-17, puis 14-18. À chaque fois, c'est une loi du Parlement qui venait l'endosser. Je ne vais pas aller trop loin dans les débats, mais moi, je vais faire un avis de sagesse sur cet amendement, parce que, au fond, ça pose des questions de droit. Je pense que c'est au Conseil constitutionnel de le trancher, si vous voulez le fond de ma pensée. Je pense qu'il ne faut pas risquer une censure partielle sur un texte comme la LPM sur ce sujet. Je ne vois pas les députés, les sénateurs saisir le Conseil constitutionnel en tant que tel sur la LPM. Mais ça, c'est vous qui prenez vos responsabilités par ailleurs. Non, mais je le dis parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'avoir un texte qui soit fragilisé. Il peut y avoir une QPC un jour sur ce sujet. Donc moi, je laisse le débat
ouvert. J'ai interrogé, le président Gassiou lui-même m'avait saisi de cette affaire lorsqu'il a été élu président de la commission de la Défense. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable à ce que les parlementaires puissent montrer l'exemple de l'engagement et servir. Et en même temps, il y a des grands principes constitutionnels dont nous sommes tous aussi redevables et que nous devons défendre. Donc, ainsi est posé le débat à vie de sagesse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Giletti, vous le maintenez ou... Juste deux mots, madame la présidente. Oui, effectivement, vous avez évoqué la possibilité qui est donnée à des conseillers municipaux, à des adjoints. Maintenant, le code électoral a été modifié il y a quelques années de ça pour qu'ils aient des mandats locaux. Je maintiendrai cet amendement parce qu'il mérite débat. Je veux que ça soit maintenu et qu'on puisse en débattre alors, dans d'autres lieux, mais que la question soit posée et puis peut-être tranchée. Et je rappelle aussi la jurisprudence avec ce député du Pas-de-Calais dans la 14. Alors peut-être s'agit-il là d'un... Il y a eu un trou dans la raquette, hein, dans le dispositif, mais peut-être qu'on peut s'inspirer de son cas. Merci, monsieur le député. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable et de la commission et de sagesse de monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Alors, je vais recompter, si vous voulez bien. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Je vous indique sur les amendements 1647 et 1478, je suis saisie par le groupe démocrate d'une demande de scrutin public que j'annonce dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 1647, madame Lindemann. Ça ne marche pas ? Le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, madame la présidente. L'engagement dans la réserve opérationnelle offre aux étudiants une occasion unique de contribuer à la défense nationale tout en poursuivant leurs études. Selon l'article L619-9 du Code de l'éducation, il est possible de faire valider au titre de sa formation les compétences, les connaissances et les aptitudes acquises dans le cadre d'une activité bénévole ou d'un engagement dans la réserve opérationnelle. Preuve en est, dans l'école d'ingénieurs où j'enseigne, une UE libre figure bien dans le livret des enseignements, mais tous les étudiants ne le parcourent pas en détail, ce qui fait que certains d'entre eux, également réservistes opérationnels, ne valident pas cette UE libre. Cet amendement vise donc à demander aux armées d'informer systématiquement les étudiants réservistes opérationnels de cette possibilité de valoriser leur engagement dans leur cursus académique au sein de leurs établissements d'enseignement supérieur. Madame la députée, il y a un sous-amendement, le 1832, du rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, un sous-amendement qui ne change rien à cet excellent amendement, dans le fond. Mais c'est vraiment précision, il faut réserve opérationnelle militaire parce qu'on a plusieurs types de réserves, il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. Donc ce sous-amendement est quand même indispensable pour renforcer votre amendement. Merci, monsieur le ministre. Favorable à ça, sous réserve de mon... Merci, monsieur le ministre. Oui, madame la présidente. Juste pour le président de la commission de la défense et le député Giletti et les autres qui s'intéressent au sujet, je menais une consultation sur l'amendement précédent du Conseil constitutionnel en lien avec la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour l'avenir quand même. Sur cet amendement, le sous-amendement, avis favorable. Merci. Je vais mettre aux voix le sous-amendement 1832 qui fait l'objet d'un avis. Donc c'est le sous-amendement du rapporteur qui fait l'objet d'un avis favorable de monsieur le ministre. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Et je vais mettre aux voix l'amendement 1647 ainsi sous-amendé qui a fait l'objet d'un avis favorable de monsieur le rapporteur et favorable de monsieur le ministre. Qui est pour ? Le scrutin est ouvert. Excusez-moi. Le scrutin est clos. Votant 74, exprimé 72, majorité 37 pour 72 contre 0. L'Assemblée nationale a adopté. Prochaine séance demain à 15h avec la suite du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. La séance est levée.